que j'avais un personnage sans explosion. Et là, note. Oui. Là, on vous entend et on m'entend. Parfait. Donc, vous en étiez dans un bar. Je crois que c'était encore à Chronapic, d'ailleurs. Vous y étiez. Effectivement, vous faisiez bande à part fille, garçon. Vous vous étiez demandé de ne pas être trop loin des fois que il se passerait des choses un petit peu chelou. De ton côté, Charlie, Oui. tu avais une sorte de strabisme externe, puisqu'il fallait que tu gardes un œil sur un signe et l'autre sur Kerchollan. Et sur le passage, bien sûr, sur la jeune fille. Ça fait beaucoup de choses rien que pour toi. Voilà. Et on sait que je suis quelqu'un qui est doué d'observation. Voilà. Mais bon. Kerchollan, il s'entend en fait. Donc. Et ben Déjà, un bon point. voilà. Surtout qu'au final, t'es quasiment toute seule puisque Ella n'est pas là. Et que c'est. Du coup, il y a une table de garçons à 3, voire 4. Parce que du coup, il y a Kerchollan qui est avec vous. Thaïs, t'es plutôt femme ou garçon? T'es femme, je crois. Hein. Oui. Thaïs, bah vous êtes 3 chez les filles. 3 chez les filles, 3 chez les garçons. Satanel, Ulad et Kerchollan sur la table. Alors du coup, il me semble qu'on n'avait pas forcément beaucoup parlé de Satanael autour de la table des garçons. Il me semble, et ça me semblerait logique vu que tu étais parti un petit peu plus tôt, Eryu, donc j'ai peut-être pas forcément beaucoup parlé à la place de Satanael. Ouais, c'est ça, j'ai peut-être un ouais, je... Donc la question est la suivante, est-ce que tu auras suivi les autres pour leur soirée festive pour la fin, comment dire, la soirée étudiante de rentrée. C'est un autre nom, mais c'est pas. Mais c'est genre quoi? C'est genre que entre nous avec la fille? Vous êtes tous dans la même taverne. Mais il y a une autre table fille et il y a une autre table garçon. Ça. Distance raisonnable. Pense que tu nous avais rejoint. Hein. Je ne m'en souviens pas, mais du coup, si on me demande, je vous rejoindrai, mais ne vous attendez pas à ce que je consomme. En fait, Je suis pas solide. il aurait dû être à la table des filles à côté de la jeune fille, quand j'y pense. Mais bon, tant pis. Oui, mais je pense que ça met mal à l'aise quand même, quelqu'un en armure. Voilà. Oui, mais comme tu voulais pas qu'elle boive de trop, Satanael aurait Ah été oui. le partenaire Ouais, idéal. mais elle m'a fait trop bête. Voilà. Elle m'a promis de pas boire trop. Bon, On va voir ce que ça promet, Steve. après, moi, je vous dirais, il vous dit qu'il consommera pas, mais après, quant à vos consommations, les consommations des autres, ils sont contre-branle, hein. Mais effectivement, on n'y est pas encore à la soirée. On a juste décidé, d'y aller là. Oui. On y est. Non, la soirée avait déjà commencé, hein. Ah oui, c'est vrai, vous aviez commandé. Parce qu'il y avait D'accord. y avait une histoire de carte du menu et il y avait une histoire avec de la viande de dragon. Voilà.
Et là, je posais la question de savoir si effectivement il y avait du vrai dragon dans la viande ou pas, ce qui me paraît absolument juste suicidaire de la place, de la part du cuistot, quoi. Parce que le jour où les vrais dragons se rendront compte qu'il y a un cousin dans l'assiette, le cuistot, il ne vivra pas longtemps. Mais de toute manière, au-delà de tout ça, sans dragon. Plus ou moins la même pensée. Hein. Bah, ça fait un demi-cannibale. C'est ça. Il y a un magot sans dragon dans l'eau. Ouais. Non, non. Non, non. Mais si vous voulez mon avis, il doit tricher, il doit partiellement tricher avec de la viande de Wyrm. Et je veux dire... Mais non, on est à côté des plaines de Talente, ça doit être du dinosaure en fait. Voilà. Mais oui, c'est surtout ce qu'il nous avait. Je veux dire, oui. C'est très bon la viande de dinosaure. Bah, oui, mais. En fait, le seul dragon qui aurait pu servir se trouve littéralement dans le cratère. Et il est mort depuis très longtemps. Oui, donc oui, à un moment donné, oui, oui, oui. À un moment donné, oui, alors, ils ont conservé aussi longtemps sa viande. Je voudrais que je ne serais pas venu là-bas. Oui, alors je rafraîchis quand même ta mémoire. Le dragon en question, c'était un dragon lich. Donc, Ouais, ouais, et je précise ça. Il en plus, ouais, oui, oui. Un dragon liche, c'est pas forcément le truc le plus goûtu. Bah, c'est faisandé, hein. C'est vraiment bien faisandé, hein. D'ailleurs, il aura contaminé pas mal de gens à l'Exide. Voilà. Ouais, c'est normal, c'est un dragon liche. C'est une dracoliche. Mais vous vous êtes battu avec un dragon liche? Non. Je cligne des yeux. Je suis humain. Je n'ai pas vécu cette époque. Non, par contre, tu t'es battu contre des gobelins pour résoudre le problème. Mais faut avouer que entre se battre contre un dragon liche et se battre contre des gobelins, vaut mieux dire que tu. Vaut juste parler de l'histoire du dragon lich. Ça fait plus. Ouais. Parce qu'au souvenir, les gobelins, oh. Vous les aviez massacrés comme ça. Ah bah ça. Ils auront appris à leur dépens. C'est marrant, ça fait longtemps la partie là, mais j'ai des souvenirs qui me reviennent d'un coup, c'est bizarre. Avec les trois frères. Norax. Oui, tout à fait. Ouais. T'inquiète pas, je l'avais aussi. Ouais, ouais. Et du coup, vous êtes dans la taverne où du coup l'ambiance est globalement festive parce que la jeune fille n'est pas la seule à rentrer. Alors, je crois que à rentrer, vous étiez au mois d'avril, mai, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment un petit peu en décalage. Je vérifie quand même ce que je suis en train de dire, mais je crois que c'est ça. Il y a peu de personnes qui rentrent, mais il y en a quand même. Et puis de toute façon, c'est une soirée étudiante, donc quoi qu'il arrive, il y a toujours moyen de faire la fête. Et vous n'êtes pas loin. D'autant plus que, comme vous êtes aussi acronapique, vous avez certains nains qui ont fini leur journée de labeur. Et Dieu sait qu'il peut y en avoir un grand nombre là où vous êtes, qui veuillent se dessouler, ou plutôt se saouler. Donc l'endroit est assez plein, fait assez extraordinaire qui se passe là-bas. C'est entre autres des clients qui ne sont pas forcément très très habituels.
Vous avez entre autres une grosse bestiole en armure. Avec en armure, mais avec une tête de buffle sur son épaule droite. Et pas que sur son épaule droite. Puisque c'est un petit peu, comment dire, ça pourrait faire mauvais genre, pour la simple et bonne idée que, pour, je pense que vous connaissez tous cette bestiole-là, donc je l'avais directement, il s'agit d'un minotaure. La tête d'un minotaure. Non, 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 non. C'est un minotaure qui porte sur son épaule droite une tête de buffle. Ah ouais. Est-ce que je... En vrai, je dois connaître la culture. Vu que j'ai quand même pas mal de connaissances en culture monstrueuse, les Minotaures. Alors, juste une question. Les Minotaures, c'est bien une variante de géants, il me semble. Hein. C'est des monstres, techniquement. Ok. Autant, en fait, c'est autant que des monstres que des gobelins qui sont considérés comme des monstres, même si ce sont des humanoïdes. Non, mais c'est en fait, c'est un humanoïde. C'est juste que c'est à moitié humain et taureau, en fait. Et le truc, c'est qu'en général, c'est vraiment pas très éduqué. D'où la caractéristique monstre qu'il aurait attribué. Par contre, connaissant la culture Minotaure... Enfin, est-ce que je connais la culture Minotaure? Ou c'est quelque chose de particulier dans le coin? Ah non, tu la connais. Alors, attends. Je regarde un truc parce que du coup, vous m'avez posé une question. Sans le vouloir. Quelle taille il fait? Non, ouais, dans les 2 mètres. C'est dans, c'est 3 mètres, c'est les géants. Bah, alors, non, parce que du coup, il fallait que je fasse la. La conversion, parce que je l'ai en pied et en pouce. Donc non, il est dans vos tailles, à peu près. Ah ouais, il est petit comme Minotaure. Il est dans vos tailles. Bah, c'est des grands humanoïdes, mais c'est dans des tailles qui peuvent être atteintes par des humains. C'est juste plus rare d'atteindre ces tailles-là, normalement. Ah oui, c'est un peu comme c'est un peu comme les... j'allais dire... pas les poneys, mais le cheval nain. Mais c'est pas... le cheval nain des Minotaures. Même si je suis pas sûr que... Il s'avance vers nous, ou c'est juste que il nous calcule pas, il dénote par rapport aux autres? Il dénote par rapport aux autres, et bah alors, parce que du coup, j'ai pas fini ma description. Du coup... Pardon. Un minotaure avec une tête de buffle sur son épaule droite et qui porte sur sa tête un tricorde, un chapeau de capitaine. Quoi. Ah voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui. À côté. Ok, je vois. À côté, une créature. Comment dire? Assez particulière que vous ne devriez pas croiser ici, puisque a priori vous devriez la croiser sous l'eau. Une sirène? Non. Est-ce que je vous fais faire un jet de nature? Peut-être. Un satanel, non. Charlie, peut-être non. Histoire de mon côté. Thaïs non plus. Ulat, ça devrait aller. Non, non, ça devrait aller. C'est un triton. Oh. Ok. Oh. De son côté, alors je regarde s'il porte une armure particulière que vous auriez. Je pense pas qu'il ait une armure particulière parce que bon, c'est un triton et bon, vaut mieux pas avoir d'armure dans ces conditions-là. Alors si vous remarquez quand même qu'il a des dents assez particulières qui le rendent un petit
peu inquiétant. Un triton vampire. Quand vous le voyez, vous avez l'impression que ça pourrait en être un, effectivement. Sans déconner. mais visuellement comme ça, c'est éventuellement si vous cherchiez à avoir des a priori sur lui. Ce que j'aimerais bien trouver, c'est voilà, je suis con, c'est marqué. Alors, il a les cheveux vert bleu, une peau argentée et des yeux noirs. Voilà. Et tant que j'y suis, pour le Minotaure, les poils bruns, les yeux noirs, bah, la peau, vous la verrez pas. Sous les poils. Donc voilà. C'est les deux individus que vous remarquez qui sont particuliers ici, qui sont au niveau du bar et qui parlent très fort. Oui. Est-ce que quand je regarde le Minotaure, quand je regarde ses habits, son accoutrement, est-ce qu'il a l'air réputé? Et est-ce qu'il me dit un truc? C'est peu commun, quand même, ce genre de choses. Il y a plusieurs questions dans ce que je veux dire. Oui. J'avoue que je t'aurais demandé... j'allais te demander la même chose, Claude. Juste paraphraser... ce qu'a pu dire Death. Et est-ce que du coup un Minotaure avec cet aspect dans ce lieu me dit quelque chose ou non, ou même pas forcément lié au lieu, mais juste avec son accoutrement et son attitude, même peut-être accompagné d'un triton, est-ce que ça parle? Bah, vous pouvez éventuellement me faire un jet d'histoire. Bien alloué. Il parle quelle langue exactement, vu qu'il parle assez fort? Bah, il parle le commun. Ok, je sais tous deux. Attends, ça se trouve, il n'y a rien à savoir. Hein. S'il y a quelque chose de savoir, et à la limite, ce sont peut-être juste des gros bobards, tu es au courant. Après, de toute façon, alors, c'est un jet d'histoire qu'il faut. Le MJ va nous le dire. Bah, bien sûr. Bon. Alors. Je fais un jet de merde. Alors, moi, je regarde tout seul. Ouais. Est-ce que tu acceptes de partager tes informations ou est-ce que tu veux savoir tout seul? Parce que visiblement, je veux bien le savoir. Je veux bien le savoir avant de le décrire aux autres, mais je le décrirai aux autres à un moment donné. Je veux juste savoir s'il y a des dingueries sur lui ou pas. Il y a une dinguerie, mais... Ok. Dans ce cas, dis-le. Vas-y. Je le dis comme ça ou en privé? Ouais, tu peux le dire. D'accord. Tu peux le dire comme ça. De toute manière, il parle trop fort et... J'aime partager la connaissance. Ok. Tu sais que cet individu vient d'un village que l'on appelle Iriag. Alors, ça serait peut-être bien que je le note. Iriag. Laisse-moi deviner, il doit être dans le coin des monstres. Hein. Oui. Bah, c'est là où... Voilà. Voilà, c'est là où est ma principale base d'études. Voilà. Ensuite, tu sais comment il s'appelle? Irian. Il s'appelle Rodon. J'ai pas dit Rodon, hein. J'ai dit Rodon. Ok. Rodon. Tu as fait un 24, donc oui, effectivement, t'en sais beaucoup sur lui. Bah, j'ai fait une réussite critique, là. On va pas se mentir, effectivement.
Rodon, de son côté, il a commencé dans son petit village, enfin, tu sais, qu'il a commencé en tant qu'ouvrier là-bas, où il travaillait sans relâche. Et puis, il a décidé un jour de tout envoyer chier, parce que sa seule véritable ambition était de partir en mer. Il lui fallait une excuse pour ce faire, et il l'a saisi assez vite grâce à Bicéus, son fidèle compagnon, un triton, qui de son côté est assez particulier, puisqu'il il est assez proche de d'un temple en particulier. Lequel. Oh là Oui, là. vas-y. Mais pourquoi t'as Ça, fait un 20? c'était l'information que je cache. Bah, Pourquoi j'ai fait il y en a une 24 de... il y en là-dessus? a une deuxième après. Ok. Tu sais que il est comment on dit? Il est disciple du dieu Néologue. Néologue, c'est quoi comme dieu déjà? C'est le dieu de. De C'est la pas le dieu magie du lat, ça, le néologue de et de mémoire. la magie. Ok. C'est pas un dieu qui est très usuel en hébreu. C'est un dieu assez rare et c'est pour ça que tu l'as retenu d'ailleurs, parce que tu sans doute qu'un de ces jours tu te poseras la question de savoir qui c'est. Ça pourrait être intéressant, ma foi, pour ta culture personnelle. Oui. Hop. Ouais. Je vais écrire au complet. Néologue, dieu de la magie. J'écris aussi un peu de mon côté. Voilà. Et de son côté, hop, attends, c'est autre chose sur notre cher ami. Rodon. Rodon. Hop, Rodon a une formation de paladin. De néologue, bien entendu. Non. Oh! Oh! Autant. Paladin! Paladin de Lyriana. Et tu sais pas ce que c'est comme déesse. Sauf si tu me fais encore un. Sauf Paladin. si... Alors si tu me fais. Si tu me fais encore un genre. Un critique sur religion, je te le dis. Alors. Attends, un paladin de qui? De Lyriana. Ça a pas marché ma modification là? Ok, je vais commencer par là, c'est un test de religion. Merci, c'est Que un tu test. nous en parles ou pas? Oui, je vous en parle. Oui, Parce mais qu'on attends, peut je faire le commence. test également. Bah c'est Bah parti oui. pour bah Liarna. Bah 19. Sec. Attends, j'attends. Je fais que des jets de merde. C'est pas ma soirée, Oh mon Dieu! je Oh mon Dieu, j'en connais beaucoup! Je suis un vrai érudit! Bon, allez, avec Ça un se trouve, ça 19. suffit pas. Ah, t'es 19. gentil. Ouais, je suis gentil parce que normalement non. Mais en fait, tout simplement, tu le sais de quelqu'un qui est de famille avec toi. Je te laisse deviner. Ah! Oui. C'est une déesse de l'ombre. Ah! Je connais. J'imagine que je connais que ça. Je connais pas.
Et bien entendu, Oh putain, ouais. tu sais que ces deux-là ont réussi avec une sorte de revanche sur leur vie passée, même si, comme tu le vois, ils ont quand même réussi à acquérir des formations quand même plutôt pas mal en soi, hein, Particulière. parce que bon, paladin clair, ça va encore, hein, on est bien. Mais tu sais qu'ils ont réussi à réaliser leur rêve qui était de partir en mer tous les deux, et pas dans n'importe quoi, sur un bateau pirate du nom de Puma. Oula. Est-ce que je peux avoir l'information cachée par contre à partir de Puma pour savoir quel genre de bateau pirate c'est? Si je peux surveiller sur mon histoire ou pas. Ça par contre je préfère le cacher au cas où. D'accord, donc ouais, Attends, c'est pas attends, mal hein, quand même. je t'envoie un MP. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même une histoire drôle. Hein. Un paladin et un clerc se réunissent. Ils vont dans un navire pirate pour voyager en mer. Il avait Particulier. bien blague. Ouais, oui. Ouais, d'accord. Mais c'est ça le concept. On dirait une blague. Ils sont la preuve que non. Ouais, ils sont peut-être pas au courant l'un de l'autre. Ils sont au courant. Ok. Bon. Parce Bien. que pour qu'il soit devenu paladin. On ne devient pas paladin du jour au lendemain en claquant des doigts, surtout en tant qu'ouvrier. Évidemment, ce que tu Mais... ne sais pas, c'est le passé de Bicéus, puisque pour ça, il faudrait aller autre part que sur Terre. Mais là, ça serait sur mer. Et je leur dis, pour Béissius, par contre, je ne connais pas beaucoup. Bah, si déjà c'est beaucoup ce que j'ai donné parce que on suppose que pour connaître là où d'où il vient faudrait pouvoir respirer sous l'eau. Ça reste faisable. Oui. Ouais, mais derrière respirer sous l'eau, fouiller les fonds marins pour que derrière on puisse trouver une ville aquatique. Ça fait beaucoup. Oui, on est d'accord, c'est peu probable, mais... Vous savez, il y a plus de vie marine que de vie terrestre. Ouais, on sait pas à quelle profondeur ça vient un triton. Parce que justement, les tritons cachent cette information. Est-ce que je laisse à moi cette information Quelle information? sur la profondeur où vivent les tritons, au vu du culte que je voue? Hein? Est-ce que tu le sais? Je Bon, pense que oui. ce serait histoire. Ouais, Ouais. histoire, ouais. Histoire. Histoire de savoir à quel point, parce que j'ai du mal à me... 15. D'accord. Tu sais que c'est variable. Tu sais qu'il y en a qui vivent dans de très larges profondeurs, et la plupart dans de très larges profondeurs, donc quasiment impossible d'accès pour le commun des mortels. Par contre, certains d'entre eux choisissent de vivre proche des falaises, donc proche des cités terrestres.
pour faire commerce, entre autres, c'est plus proche. Bah, Ouais, puis je partage ces connaissances avec les autres. Alors, Est-ce qu'il y a des falaises à bien sûr. proximité? Bien sûr. Alors, à proximité d'ici, non, mais proximité de. Alors, faudrait que je te dise où c'est. Et il faudra qu'on me dise où c'est. Mais très clairement, ce serait pas improbable. Je monte même Kerchelan. Hein. Il y en a une preuve vivante. Bah, assez bizarrement, les terres de la marche des ombres, là, il y a très très peu de falaises autour de la région. Par contre, autour, en particulier au niveau des terres démoniaques, il y en a pas mal. Ouais, donc je dirais que ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques tritons qui vivent dans les à côté des terres démoniaques. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ces deux-là viennent faire ici? Purement du commerce. De ce que je sais, ils sont réputés pour être des chasseurs de monstres marins. Et donc c'est comme ça qu'ils font leur vie. Après, c'est des rumeurs. Donc je pense qu'il y a une part de vérité, mais les poissonniers les aiment pas trop parce que ils feraient concurrence. J'ai peut-être une part, parce que là c'est ce que vous voyez. Vous êtes assis à une table, bon, il y a quand même du monde. Qui c'est les plus grands parmi vous? Je pense que Satanaël vous voit. Tanaïs, je pense que. Thaïs plutôt. T'es plutôt grande ou. Non, taille, c'est les tailles moyennes, voire peut-être même petites, on va dire. D'accord. Il fait un. Et Satanel c'est. fait un petit 1,80 m, ouais. Pareil pour 1,75 m. Thaïs, c'est un tout petit bout de femme avec 8 en force. Et Ulan? Un mètre Donc, soixante-quinze de l'autre côté. Voilà, donc. Je suis 1,80 m, Ulad. Alors, Ulad et Ah oui, donc. Satanaël, elle a. Elle a un physique correct, mais elle respire pas la puissance. Hein. Du coup, Ulad, tu verras en fait quand tu. Enfin, Ulad et Satanel, vous verrez pas loin des deux acolytes là. Vous verrez un nain et un autre individu avec des oreilles de chauve-souris et des che cheveux un petit peu crépus et un nez un petit peu rougeaud. Qui est globalement poilu d'ailleurs. Enfin, pour un petit peu. Non, c'est pas des poils, c'est une peau violacée. D'ailleurs, il a les cheveux blonds, pardon, autant pour moi. Qui est assez petit et qui rigole. Enfin, le petit avec les oreilles rigole avec eux. L'autre de l'autre côté, c'est un nain qui semble être en train de. Avec une sorte de. Oh putain, je suis pas mes mots, je sors. De planche à découper. En train de découper quelque chose en petits dés. Et il a l'air d'y prendre du plaisir. Vous savez qu'il parle avec eux. Du simple fait que du coup il les regarde, il leur parle. Par moment, il a un petit coin sur sa planche à découper où il a du saucisson, il en prend quelques-uns de temps en temps. Et il rigole comme ça en mangeant grassement. Est-ce qu'ils sont au... Ils sont au comptoir, oui. Voilà, c'est ça que là où je voulais en venir. Satanel va se lever et va aller au comptoir. Ok. Eh bien, quand tu vas Moi, appeler. je suis Henri. Hein?
Ça arrive quand même. Mais ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui le suivent? On aime le courage. Ça dépend si on lui dit, mais Satanel de prime abord ne dit pas un mot en faisant ça. Ok. Et les autres, vous, qu'est-ce que vous en faites de ça? De toute manière, ça se voit qu'il part vers eux. Ben voilà, c'est ça. Je ne pars pas vers eux. Vers le comptoir. Et je vais vers le comptoir. Vers un espace libre le plus proche d'eux possible. Enfin, sans me coller à eux, on va dire. D'accord. C'est genre, on va dire, si je peux m'asseoir au tabouret d'à côté. C'est plus ça. Eh bien, moi, je prends mon verre d'eau. Ouais. Mon godet d'eau. Et je m'approche d'eux. Et je dis... Bien le bonsoir, jeune marin. Alors, est-ce que je peux trinquer avec des beaux gaillards comme vous? Tu as un panel de réactions. Tu remarques... et je le dis en primordial, d'ailleurs. En primaire, ah, ok, ça marche. Tu remarques que le Minotaure et le nain. Alors attends, je regarde un petit peu pour l'autre. Bah, les trois, Minotaure, nain et Triton, eux te regardent. Le Triton a l'air d'avoir un regard implacable sur toi. Tu as l'impression que tu es tout de suite mis à l'amende et que clairement il est en train de t'examiner à fond. Pour les deux autres, il s'agit simplement de te regarder. D'ailleurs, tu verras le nain te tendre quelques petites bouchées, certainement de petits carrés de viande, qu'il aura bien coupé en dés. C'est largement appliqué à terre. Bah j'en prends un ou deux. Et le Minotaure, lui, qui va te présenter une grosse chope de bière qu'il te tend pour la trinquer. Et tu remarqueras le petit être souriant, bon enfant, qui était à côté d'eux, lui s'est retourné face au bar et semble te tourner le dos. Okay, bah je l'ignore et je trinque avec le Minotaure. Je dis, qu'est-ce que vous faites dans les parages? Il n'y a pas de merde dans les parages. Et j'essaie d'entamer une conversation en essayant de m'incruster. Bonjour. Effectivement, il n'y a pas de mer ici, mais il y a de la bière et ça suffit bien. Malheureusement, mon culte me permet pas de boire de l'alcool, mais je serais ravi de partager des verres avec vous. Ah, vous savez, les dieux sont bien loin d'ici. Pas sûr qu'ils vous verraient si vous prenez une petite bière. Ou alors, si vous avez trop crainte, vous pourriez acheter un parapluie. Ça vous permettra de cacher votre soif. Ne vous inquiétez pas. J'arrive à m'amuser aussi bien sans alcool, vous inquiétez pas. Ah, ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, si vous le croyez, c'est l'essentiel. Est-ce que je peux, même en restant sur place, les écouter? Oui, d'ailleurs, Satanel aussi. Oh, bien. Du coup, le Au fait, je suis ouais. Ulad. Ulad. Et je tends la main quand même. Oui. Du coup, il te tend sa main aussi. Sa main, sa beauté. Il te tend aussi. Et il te la serre. Bah, je serre la main. Tu remarqueras qu'une main grasse viendra serrer la tienne également. Je présume celle du nain. Et de la même chose que de la main palmée. T'auras vu une diversité de mains, d'ailleurs, dans ta propre main.
T'auras testé la main un petit peu touchée, un peu froid, l'autre main grasse et la troisième main un peu gluante. T'auras eu toutes les saveurs du monde là. Oui. Et je présume que celui qui me tourne le dos me tourne toujours le dos. Bah, tu l'entends même un petit peu bougonner, mais et comme il bougonne, tu entends bof, ça a rien de dire bonjour à des gens qu'on connaît pas. Eh ben, il suffit de se présenter, je me suis présenté. Sur qui, Charlie? Pur le triton, vu qu'il est en train de le jauger, j'aimerais savoir ce qu'il pense. Et je profite en fait surtout d'être à. Je sais pas à côté d'eux en fait. Du coup, détection de pensée te permet de savoir les grandes lignes, je crois, si je m'en souviens bien. En gros, j'ai les pensées superficielles qui commencent. Ensuite, si je peux diriger mon attention sur une autre créature, je peux détecter simplement les personnes autour de moi, ou je peux me focaliser sur une personne pour détecter un peu plus. Tu remarques que elle est en train de faire une comparaison entre Ulad et Carcholan et de se dire cela ferait un bel équipage si une grande partie de ces personnes étaient un petit peu plus costauds. Oh, d'accord, donc elle est en train de nous observer. Oh. Visiblement, la principale base d'observation, c'est Carcholan. Ouais, mais Carcholin est occupé, hein. Et autant qu'elle fait le lien avec Carcholan, elle ne fait pas de lien avec la table des filles. Donc, a priori, ils n'ont pas fait d'observation sur la Tant table. mieux. Tant mieux que les filles soient tranquilles, en vérité. D'ailleurs, Thaïs, toi, t'es resté avec Et... la jeune fille, toi. Oui, par contre, j'ai aussi reçu le message mental nous décrivant l'histoire de Minotaure vient d'Irak, Rodron paladin de Lyria, Byzos triton, cœur de tout ça là. Ouais, je leur ai même parlé aux autres filles, histoire que elles soient au Ok, courant. d'accord. Alors, ben écoute, moi, à un moment, je vais aller au petit coin, je vais lancer un sort de détection de la magie et je vais revenir. Et puis, je vais Oh. regarder s'il y a des auras magiques sur ces messieurs dames, quoi. Oh bah tu sais, Bon, déjà je peux. j'analyse pas, hein, je fais juste, je regarde s'il y a quelque chose de magique, quoi. Ah bah déjà tu sais que je Et fais de la combien? divine. Tu sais que je fais la divination. Déjà, ça c'est sûr. Non, mais c'est pas, c'est les gars là que vous abordez qui m'intéresse, c'est pas vous en fait, hein. Oui, je sais, mais de base, tu sens que moi je le fais. Parce que c'est autour de toi que tu détectes, précisément. Ouais, normalement, dans le premier cône, enfin, tu regardes un cône de 90 degrés devant toi, ta présence ou absence de magie au premier round, après tu cibles et ainsi de suite, quoi. Ah, ok, Donc après, si j'ai présence absence et puis que ça me dit il y a 90 sources de magie, bah, si t'en as 5, entre guillemets, sur toi, c'est pas obligé que c'est toi que je regarde, en fait. Hein. ouais, Tu c'est vrai, comprends? mais moi je comprends, mais je te dis que tu sens, moi. Déjà, ça c'est le début. En ce qui concerne ceux qui sont présents, alors il me manque un seul. Tu en sens deux. Tu sens de la magie chez Biceus. Merde. Plutôt de la magie bénéfique. Par contre, sur le petit alphelin,
Sur le petit alphelin, je ne lui ai même pas donné sa race. C'est même pas un alphelin. Sur le petit être avec les oreilles pointues, chauve-souris, là, tu sens différentes magies, différentes bases de magie bénéfiques ou négatives, apparemment de toutes sortes. En fait, normalement, j'identifie rien du tout en tous les cas. Par contre, je différencie les sources, aussi bien d'objets magiques que de sorts actifs. Et normalement, j'ai une évaluation de la puissance et de l'école, on va dire, grosso modo. Eh mais bien, pas plus, quoi. Après, si je veux vraiment en savoir plus, il faut faire l'identification. C'est ça. En ce qui concerne la petite, enfin, la, bon, le petit être, je vais vous donner sa race tout à l'heure. C'est de la magie plutôt commune. Donc c'est l'équipement. Pourquoi c'est de la transmute ou enfin bon, de l'illusion. Il y a un petit peu de tout. Tout ça. Il y a un petit peu de tout. Okay. Disons que moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que si jamais il y en a un qui brille comme parce qu'il se balade avec un objet légendaire ou juste en dessous de légendaire, ça serait bon de le savoir en fait. Alors attends, effectivement, il y en a un. Il faut que je te donne ton école. Si tu as la possibilité de voir l'école, je crois, avec ça. Oui. Détection de magie fait que tu saches que tu connais l'école, en effet. Donc celui-là, il faut que je donne sur l'école. Donc il faut que j'aille chercher le sort. Allez. Ouais, après, t'embêtes pas non plus, hein. On va pas y passer trois plombes non plus, quoi. Mais si ça paraît effectivement une information qui peut changer quelque chose à l'histoire, oui, je veux bien que tu cherches, quoi. Après, si ça change rien. D'une école d'illusion. Ok. Donc il est du genre à ne pas montrer ce qu'il est. Et visiblement, ça viendrait d'une sorte d'amulette. Ok. Ah, juste pour ça, pour que tu saches, hein, moi, si quelqu'un commence à faire de la détection de la magie sur moi, je suis un sapin de Noël. Hein. Je n'ai pas détection de la magie, mais pour le moment je détecte oui, les pensées. Mais si toi me jeu un jour, un moment ou un autre, il y a un magot qui me lance un spell et je rentre dans la zone de trucs, je suis un sapin de Noël, moi. Oh, bah écoute, alors on a chacun notre truc, hein. Oui. Bah tiens, d'ailleurs. Après, c'est un sapin de Noël, je crois qu'on a trois liens possibles maximum. En théorie, oui, mais c'est pour ça que je suis un sapin de Noël, parce que moi, je peux en avoir plus que trois. T'es un voleur ? Non, je suis un créateur d'objets magiques. Hein. Ah d'accord, ah, oui. Oui. D'artificier des Bérons, en fait, c'est purement la classe des fabricants d'objets magiques, en fait, dans ce monde. Hein. Et quand tu montes de niveau, en fait, tu crées des liens temporaires avec des objets, et tu arrives même, en fait, à bout d'un moment, d'augmenter la limite de 3, tu peux l'augmenter jusqu'à 6, en fait. Hein. Ouais. En plus de liens temporaires que tu crées, ainsi de suite, quoi. Sinon, est-ce que, m'étant assis à côté des autres, je... toi, Ulvet, t'es allé leur parler, c'est ça? Oui. Donc, très fort dans ma tête, si quelqu'un consulte et veut me parler, je le préviens de ce que je vois au niveau magique. Hein. Ok. Rio, tu disais? Non, non, bah... Ce qui permettra à cette même personne d'en informer tous les autres dans leur tête à eux. Oui. du coup, non, je à la base, je venais là pour en commandant quelque chose au barman, et en fait, l'air de rien boire au comptoir, mais pour écouter ce qui se dit, ce qu'ils disent. Eh bien, tout simplement, alors, du coup, je vais regarder le RP, comme ça, j'aurai les deux noms sous les yeux. Biceus et Rondon vont te proposer. Ulad, de jouer avec eux au dé. Eh bien,
Et bien sûr, Volontiers. Et bien sûr, ils vendent de l'argent. Je comprends. Volontiers. Mais avant, je regarde le tavernier et je fais signe de refaire la même chose pour eux. Ah oui. Oui, d'accord. Ça va changer pas mal de choses. Surtout sur l'un d'entre eux. Y compris celui qui te tournait le dos ou pas? Oui. D'accord. Effectivement, alors tu fais resservir l'ensemble des verres. Alors il y a deux bières, un verre d'eau, parce que bon, Triton c'est plutôt verre d'eau. Oui, pour moi. Bah, je prends aussi un verre d'eau du coup. Et pour le petit être à côté, ça sera plutôt une espèce de rhum, un truc comme ça. Et quand il va avoir son verre resservi, il va se retourner vers toi comme si il était copain comme cochon avec toi d'un coup. Puisque tu vas voir sa petite bouille un petit peu amicale te regarder. Et te dire, eh bien voilà, enfin, tu sais comment parler à un Firbolt. Eh bien, je tends mon verre pour trinquer et je fais... Je suis Ulad. Et moi, je m'appelle Vanwatt. Eh bien, enchanté, et je trinque. Je regarde les pensées du Minotaur. Mon Dieu. Là, c'est pas... Ah ouais, moi, j'aime dans ma classe pour ça. Et si jamais il réussit ton jet de sauvegarde, tu vois rien, c'est ça? Que les superflus. De toute façon, ça se résume assez vite. Du sang. Voilà. Du sang, du sang et du sang. Il voit du... Attends. Quand il regarde Ulad, il voit du sang. Non, il est en train de penser... il est pas forcément en train de penser à Ulad quand il voit du sang. Il est juste en train de penser à quel sang il va pouvoir faire couler dans les heures, jours à venir. Pourquoi il pense ça? C'est ce que... je regarde ça en mode... Il essaie de penser à quoi? À sa divinité? Ah ouais! J'ai une clim, hein, quand même. Ça t'intrigue, là. Et... ouais, et... Tu vois, ce moment où je regarde dans ses pensées, ce moment où je communique avec Thaïs, et je t'envoie le... C'est un peu comme un courrier postal, les pensées du type. Tu sais, en mode... Il voit du sang, là. Genre, il essaie de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire couler dans les heures à suivre. Tu sais, c'est la couleur. Alors, t'as une grosse incompréhension hein, de Thaïs, mais c'est accompagné d'un besoin irrépressible, comment dire, de... Je suis en train de regarder. De frustration, de vengeance, quelque chose, ou c'est juste froid et que ça? Parce que si c'est froid et que ça, c'est un grand malade. Hein. MJ, quel est son état émotif? Vas-y, dis-moi ça pendant qu'il pense à du sang. S'il a une grosse envie de sang parce qu'il veut se venger de quelqu'un, je peux comprendre, quoi. Mais si c'est son état de base à froid, comme ça, franchement, c'est un grand malade. On est d'accord. Hein. Attends, je regarde. Je dis pas n'importe quoi sur lui. Alors. Effectivement, tu vois plutôt une quête de vengeance. Hein? Ouais, une quête de vengeance. J'en dirais pas plus. Une quête de. Donc, il fait couler du sang pour de la vengeance. Et c'est un paladin. Éventuellement, fais-moi un petit jet de perspicacité si tu souhaites. Pour ajouter à ta détection de pensée. Ok. Que j'imagine que ça va être un peu plus simple que si je faisais la perpicacité à nu.
15. Let's go. On fire, je suis. Donc, pour être clair, si vous vous mettez à la place du Minotaure, à sa droite, il y a le nain qui, à moitié vous regarde du lad, à moitié sur sa planche à découper. À sa gauche, le premier, c'est Biceus, qui est à ses côtés, qui est un petit peu de côté, trucs comme ça. Qui parle aussi, enfin qui commence à, d'ailleurs à chercher son jeu de dés dans ses poches, ses tissus, parce qu'il n'y a pas de poche, il y a plutôt des tissus. Et juste derrière Biceus, il y a du coup Vanuatu. Et tu sens qu'il évite de trop croiser le regard de Vanuatu, mais que quand il commence un petit peu à pencher la tête vers Vanuatu, il y a une certaine amplification des pulsions. Donc il a besoin de se venger sur Vanuatu, ou du moins de l'espèce de Vanuatu. Vanuatu qui est quelle race déjà? Le petit. Et c'est une vengeance suffisamment forte pour comment dire pour comment dire qu'elle se traduise par des envies de sang. Ouais. Parce que se venger de quelqu'un, tu peux vouloir te venger de quelqu'un juste pour rigoler ou autre chose, quoi. Mais là, c'est une vengeance qui... Je dirais de la rancœur, en vrai. Non, c'est plus de la rancœur, hein, quand tu veux du sang. Hein. C'est plus que de la rancœur. Hein. C'est de la haine. Tu le partages à tout le monde? Je partage pas à tout le monde parce que l'étudiante, j'ai pas envie de la faire flipper. Oui. Je partage au reste. D'accord. Sauf à Carcholin qui n'a plus envie d'être mêlé à tout ce qui est psychique pour le moment, ce que je comprends, le pauvre père. Il n'est pas habitué. il habite. Je pense qu'il s'habitue un peu avec moi. Oui. Un peu. C'est avant que tu parles de vengeance, quand tu avais un doute que ce soit un psychopathe, t'as pu voir Satanel tourner la tête et commencer à mettre la main à la dague à côté de lui. Ouais. Bah, moi, j'avais la main, tu sais, la main spécifique. Tu reconnais, je pense, Satanel, ou en général, me prépare à invoquer une arme au cas où. Mais donc là, je précise que c'est de la vengeance. Qui se rapprocherait de la haine. Et quand il regarde Vanuatu. Et Vanuatu, c'est pas le nain, c'est pas l'homme poisson, c'est le petit truc. C'est le Firbolt. Un Firbolt. Donc il n'aime pas les Firbolt. Est-ce que, avec mon jet d'histoire, est-ce que je sais qu'il y a une rancœur particulière avec les Firbolt? Tu sais que dans les coins là-bas, surtout dans les terres démoniaques, il y a certains villages qui sont réputés pour se servir de villageois comme esclaves. Et les esclaves ne font pas les choses comme il faut, il y a ce que l'on pourrait appeler des nettoyages de printemps, entre guillemets. En gros, il tue ceux qui considèrent comme étant trop vieux, trop infirmes, responsables de l'agitation. Il ne tue pas les enfants, bien entendu, mais il kidnappe les enfants pendant une période assez indéterminée pour essayer de les remettre sur le bon rail. Mais ça, c'est sur les terres démoniaques. Alors, tu sais que lui, il est originaire d'Iriag.
et qu'effectivement, Donc, des Firbolg pourraient être responsables de ce genre de problème en terre démoniaque. ouais, et surtout que comme c'était un ouvrier, j'imagine bien qu'il n'a pas eu et qu'il s'est fait maltraiter. Je transmets l'info aux mêmes personnes. Voilà. Donc, on part sur un raciste né de l'esclavage. Bonne ambiance. Quand tu nous communiques des choses, on peut te répondre, parler avec toi par la pensée ou pas? Oui. Attends, je vérifie ça. Personnalité. Pacte des lames, esprit veillé. Vous connaissez. Vous pouvez pas. Je peux. Ouais. Je peux parler. En fait, tu peux On peut se parler. implanter tes pensées en nous, c'est ça? Tu peux Alors. implanter ta pensée en nous et toi, tu peux lire notre pensée, en fait, c'est ça? Non, non, je ne peux pas lire vos pensées. Par contre, comme je fais une conversion télépathique et que bah, c'est ma spécialité, vu que j'ai une branche spécialisée dedans, je peux transmettre des images à vous, on peut faire de la discussion. Par contre, je suis. Par contre, je suis à peu près celui qui connecte. Donc, tant que je vais bien, je peux parler. Je peux aussi connecter certaines personnes, hein, bon, individuellement. Et du coup, je demande à Julat, vous jouez avec nous? Non. Non, non, je vous en prie. Jouez avec eux, c'est mieux. Pourquoi vous n'aimez pas jouer? Non. Je dois bien avouer que je n'aime pas trop jouer. Quel dommage. Et vous préférez quoi en général? Chanter, danser? Moi, quelle question. Et puis tu vois qu'à côté, t'as Biceus qui lui donne un petit coup de coude, quoi, tu vois, amical. Il lui dit, bon, il te regarde. En fait, pour tout te dire, Lad, c'est ça? Eh bien, notre cher ami ici présent préfère regarder s'il y a des bourses qui pendent. L'autre à What? côté, tu le remarques, il était tout souriant, enfin il était presque tout souriant jusque-là, et tout d'un coup il se retourne de nouveau vers le bar. Du moment il n'a pas trop Ouais. apprécié le pic, mais bon. Et du coup, j'ai un réflexe de voir si j'ai encore ma bourse sur moi ou pas. Oui, t'as encore tes bourses. Ok. Ah. Et tu remarques qu'il Il aime bien est. vider les bourses, ça lui arrive. Et tu entends d'ailleurs qu'il est reparti à bougonner. Encore des reproches, encore des reproches. Et combien de temps que ça va durer tout ça? Il est de votre équipage? Et là, c'est Rodon qui va te répondre. Ouais. Juste Oh. ça, hein, ouais. Il doit avoir son utilité. Alors, quel jeu on joue? Et je me frotte les mains en disant, je sais, je frappe dans mes mains et je me frotte les mains pour moi. Du coup, tu vois que Rodon pousse le grand tabouret en arrière, ce qui pousse le nain, qui lui va se pousser pour ce qui lui reste à se pousser. Du coup, ça va te donner largement la place pour y amener un tabouret aussi. Bah, Eh du coup, bien, j'en prends un et ouais. je m'installe.
D'ailleurs, ceux qui sont autour du bar, je crois que Satanel en fait partie. Tu remarques qu'il y a un petit remous, hein, du coup, quand Rodon décide de pousser les tabourets. T'entends des gens qui râlent, mais bon, quand ils voient que c'est Rodon, bon, ça peut passer. Je sais pas comment tu réagis, Satanel, quand tu sens ce petit remous. Pas plus que ça, genre. Peut-être juste un. Je mets juste un grognement comme ça. Ouais, bah, je pense que c'est ça va être un petit peu ça dans l'ambiance générale. Je profite qu'on reste pas ma tête pour juste avec la voix faire mine que je suis un peu enivré. Charlie, toi, je crois que t'étais pas au bar, je crois, si. Non, non, j'étais pas au bar, j'étais encore avec Karcholan, du coup, on n'est plus que deux. Bon, t'auras On quand se fait même. chier, je pense. Bah, très clairement, ouais. T'es à Kerchelen ou avec la jeune fille? Je suis un garçon. Ah oui, Mais d'accord. je pense que Autant pour moi. À ce stade-là, oui, tu peux faire ce que tu veux. à ce stade-là, tu sais, je vais dire à Karcholat, vu que les autres ils nous ont abandonnés. T'sais, on finit de manger, on va voir rejoindre les filles. Hein, genre, Non, voilà. non, ils ont dit soirée entre filles, faut qu'on reste ici, il y a Thaïs encore là-bas avec elle, y a pas de problème. Ouais. Mais bon, on se fait chier. Ils nous ont abandonnés pour la curiosité du coin, quoi. Ouais, mais bon, d'un autre côté, regarde, il pointe du doigt un signe qui très discrètement essaye de ne pas montrer qu'elle boit beaucoup. Je t'ai fait sans regarde dans le blanc des yeux. Vu que je peux me le permettre maintenant. Vu qu'elle a ses accessoires. Brice! T'es sans je fais. Une promesse. Dans sa tête. Oui, sauf que là, il y a visiblement une bombe à retardement qui est en train de se préparer. Nous devrions C'est-à-dire. peut-être réagir dans les instants à venir. Ouais. Avant que quand on décide d'enlever ses lunettes, on est d'accord. Ou alors, il faudrait prévenir Thaïs que ça va vite déborder. On va prendre Thaïs. Hein. Enfin, ouais. Thaïs? Peut-être pas la tête? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux retenir, enfin faire passer l'envie à Madame la Méduse qui est à côté de toi, s'appelle Insigne, de continuer à boire en scred. S'il te Pourquoi? plaît. Pourquoi c'est quoi le problème? Est-ce que tu as déjà vu une méduse alcoolisée? Non. Non. Est-ce que tu sais que est-ce que tu sais que les légendes qu'on raconte sur eux, c'est plus ou moins c'est la vérité qu'elle pétrifie les gens au regard. Est-ce Bah que tu oui. veux qu'elle soit saoule et qu'elle retire ses lunettes parce qu'elle a envie et parce qu'elle est saoule. Non. Donc, je vous conseille de la retenir si vous voulez pas être pétrifié. Ok. Merci bien. Je m'adresse à elle. Vous gérez l'alcool, c'est Alors tu lui demandes un signe. bon. Vous avez l'habitude. Oui, j'ai promis que je boirais jusqu'à ce que je ne gère plus l'alcool. Et là, je pense que je suis encore bien. Il n'y a pas de Non, mais il faut problème. vous arrêter avant. Faut vous arrêter avant que vous ne gérez plus l'alcool. Ah mais là, je gère, là, je suis à fond. Tavernier, des patates et du lard, s'il vous plaît. Il me faut quelque chose pour absorber.
Tu verras le Merci tavernier Thaïs. qui, effectivement, de son côté, est en train de s'affairer. Allez vous Et chercher ça. quand il s'approche, je lui fais à l'oreille, si jamais elle est bourrée, vous aurez de gros, on aura tous de gros problèmes. Alors ramenez quelque chose qui absorbe bien l'alcool, qui tienne bien au corps. Des nouilles, des patates, enfin bon, n'importe, mais quelque chose qui tient bien au corps. Et du coup, tu vois qu'il retourne vers le bar, il sort une grosse pièce de lard entière avec des patates non épluchées, il les met juste devant le nain et il lui dit, tu peux m'arranger le coup un peu, j'en fais d'autres de mon côté. Et le nain, ouais, pas de problème. Le nain qui est avec moi? Oui. Alors, je vois ça, je fais. Vous travaillez ici? Non, mais il faut bien que je m'occupe. Parce que vous jouez pas avec nous? Ah oui, c'est vrai, je voulais jouer avec vous. Non, non, bah je jouais, jouais, je. De toute façon. Déjà, avec les deux clients que vous avez déjà là, ça devrait être suffisant. Très bien. J'ai pas retenu votre nom. De quoi, le mien? Oui. Ah, pardon, excusez-moi, je m'appelle Olunt. Et effectivement, je crois que je Roland. ne vous l'avais pas donné. Je vais pas me représenter une troisième fois. Je pense que vous connaissez mon prénom maintenant. J'ai cru t'avoir vu il y a quelques secondes, t'étais déjà là. Ouais. Ouais. Voilà. Mais tu sais quoi? Non. J'aime bien. C'est gentil. De rien. Et moi, ton copain aussi là-bas aussi. Lequel? Et du coup, j'essaie de voir la table des garçons pour qu'ils montrent. Et il te montre très clairement, il te montre Carcholène. Ah oui, c'est un homme avec du fort caractère. Ah, et il a pas que ça. Très bon combattant. Oui, ça je veux bien te croire. Et s'il ne l'était pas, crois-moi, on l'aurait formé. À vous former déjà. D'habitude non, mais bon, ça arrive de temps en temps. Sur le tard, on apprend mieux. Bah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais raison. Et tu vois que tout en te disant ça, hein, il épluche les patates. Il le fait Mais bien comme il faut. en attendant qu'ils installent le plateau de dés, je fais mais du coup, votre navire, il est loin d'ici? Ah oui. Ou... Nous sommes venus que tous les quatre. Nous avons laissé notre équipage un petit peu plus loin. Enfin, je suis pas de la région, je dois avouer, je connais pas le plus loin où se situe, mais Ouais, c'est vers où? bah vers le nord. Ah. Vers le nord, loin vers le nord. Loin vers le nord, mais ça, du coup vous avez mis vous êtes venu comment ici? Eh bien, nous sommes venus ici à la bonne vieille méthode en calèche. Nous avons trouvé ce genre de moyen de locomotion un petit peu vieux, mais bon, assez sympathique, hein. On avait l'air d'être quatre grands amoureux. Tu vois Parce que que vous êtes Thomas qui rigole. et du coup je leur dis parce que Rodon et Biseus et Olunt et Vunet, c'est ça? Vous Vanut, êtes et tu vois en fait je mets mes deux doigts comme s'ils se faisaient des bisous, tu vois. Vous êtes ensemble ou... ouais. Alors, tu verras Rodon qui va lui faire une grosse léchette baveuse. Tu verras Biceus faire un berk, trop de poils.
Tu verras Vanuatu qui grognera un petit peu comme l'a fait Satanael tout à l'heure. Je vois. Et c'est... Ce qui me fait délirer, c'est que ça veut dire que s'il n'y avait pas de poils, ce serait envisageable, en fait. Hein. C'est ce que ça veut dire, en réalité. Hein. Bon, alors, quelles sont les règles? Parce que je vois qu'ils ont fini d'installer. Eh bien, c'est simple. Tu lances. Il faut gagner. Tu lances 2d6 et celui qui fait le plus gros au score, c'est celui qui gagne. Ah, ok. Très bien, très bien. Et du coup, c'est sans argent, hein, c'est ça? Ah, avec argent, oh là là. Avec, oh là là. avec. Plein d'argent, nous. Il nous faut plein d'argent, nous. On n'en a pas besoin, mais il nous en faut plein. Pas moi aussi, il m'en faut plein. Je voyage, certes avec des amis, mais vous savez ce que c'est, hein, quand on voyage, ça coûte cher. Et du coup, ils sortent de grandes bourses bien pleines. Et tu dis, eh bien, il va falloir les gagner. Tu peux peut-être en gagner plein ce soir. Certes. Mais je te le dis tout de suite, tu risques très certainement de les perdre. Eh bien, ma foi, si c'est le jeu et qu'on le fait de manière honnête, et j'insiste bien sur honnête. Et y a pas de problème. Et tu vois je vois en télépathie. Ouais. Je vois en télépathie à notre cher Ulad. Tu veux que je vienne surveiller? Oui. Et je te réponds en télépathie. Moment, je tapote Carchelin, je fais dire bon, je suis désolé, mais le devoir m'appelle. Et clairement, je me lève, je craque, et je vais les rejoindre. Pour jouer? Non, surveiller. D'accord, ok. Du coup, tu vas au comptoir pour surveiller qui? Le jeu? Bah en fait, le jeu, exactement. Parce que comme il y avait un signe, je me suis dit peut-être que ça pouvait être un signe aussi. Non, je fais confiance à Thalys après ce que je lui ai dit pour qu'elle fasse gaffe. Tu verras Rodon mettre sur la table 2 pièces d'or. Et Viseus qui mettra également 2 pièces d'or sur la table. Pareil. Du coup, ça vous en fait 6. Et vous lancez. Tu verras que Rodon, lui, c'est le premier à avoir lancé avant même que vous ayez fini la discussion précédente. Et toi qui suivras du coup le lancement de dés et Biceus ensuite, et avec une égalité entre toi et Biceus, donc vous partagerez 3 pièces d'or. Okay. Alors moi je dis rien, je regarde, tu sais, vraiment comme quelqu'un qui surveille, tu sais, je les laisse faire leur jeu, mais tu sais, j'essaie de me mettre dans... un peu en hauteur, un peu, si c'est possible. Pas trop comment. Ah oui, ils sont sur le bar, c'est ça. Ils sont sur le bar, donc ils sont déjà un petit peu en hauteur. Pour que tu sois plus haut, c'est un peu compliqué. Non. C'est un peu compliqué, ouais. Je vais pas me mettre sur le bar, non, je vais me mettre, tu sais. Je vais m'asseoir, tu sais, dans le comptoir, je vais me mettre derrière Ulad, au cas où. Et je prends juste un peu de distance pour avoir une bonne vision sur ce qu'ils font. Et notamment aussi au niveau des bourses, je me rappelle d'avoir entendu une dinguerie. Effectivement.
Bien sûr, je fais bien attention à ma bourse, hein, je précise. Okay. Ainsi qu'à mes objets. Tu verras que Bisseus aligne 7 pièces d'or. Il met 7 pièces d'or? Ouais. Ok. Je suis. Satanel va prendre un peu sa boisson, sa chope, et va s'approcher. Genre, mais clairement un observateur de la partie. Du côté gauche ou du côté J'imagine droit? qu'il n'est pas le seul, mais. Du côté gauche ou du côté bon, droit les deux. De Rodon. Du côté droit de Rodon, j'imagine. Je me rends pas bien compte de la différence. Bah en fait du côté droit t'as Ralna et du côté gauche t'as Biceus et le Firbolg. Du coup, plutôt du côté du nain. Du côté droit. C'est ça? Ouais, je crois. Fais-moi un jet de perception. Ok. Dois en faire un? Oui. Oui. Après, je suis pas le plus doué en perception du tout. En vrai, ça va. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit largement suffisant. Tu en verras un que tu ne qu'auprès de dire tu ne soupçonnais de rien, mais tu remarques effectivement le petit monsieur avec la grande barbe, avec la grande barbe, alias là, le nain. Tu verras que bah, quand il a fini une petite patate, il n'hésite pas à essayer de faire genre de s'essuyer les mains et d'avoir la main qui a tendance non pas à s'essuyer sur ses vêtements, mais à s'essuyer sur les vêtements de la personne qui est derrière lui, quoi. Et pas loin de la bourse. Donc moi là, l'occurrence. Ouais, là c'est toi que tu vois. C'est toi qui Si vois c'est le toi qui es flag. derrière lui, effectivement, tu sens la main du nain qui visiblement est en train de chercher quelque chose sur toi, discrètement. Je lui attrape un doigt que je serre, que je tiens vraiment, genre en mode clé de doigt. Quoi? Ah ouais. Et tu verras qu'il regarde en ta direction. Ah pardon, excusez-moi, j'avais pas vu que c'était vous que je Ah touchais. mais, Pardon, excusez-moi. excuse-moi, mais je pense qu'il a un peu mal, hein, parce que je le tords. Hein. Oui, ben justement, il se retourne vivement en te disant ça. Et en ayant mal, quoi. Ce qui effraie un petit peu Rodon, qui se retourne avec et qui voit la scène. Il met la Je main vois sur que... l'épaule du nain et il te regarde franchement et te dit: T'inquiète pas, il te touchera plus. Allez! Je le lâche. Si vous le dites, j'imagine que pour le bien-être de ses doigts, il a intérêt à vous écouter. Dans les airs de Rodon, effectivement, il y a un petit air de changement, puisque jusque-là, il était assez festif et assez drôle. Voilà. Effectivement, quand il a regardé le nain, il le regardait avec les yeux révulsés, limite, il était prêt à lui couper la tête s'il le fallait. Autant, quand tu lui dis ça, il te regarde exactement de la même façon. Bah, du coup, il voit pas mes yeux parce que c'est à travers Voilà. les différentes lentilles de cristaux qu'il y a au niveau du masque.
Mais je le fixe. Du coup, il ne peut que deviner que je soutiens son regard. Et soupirer. Dites-toi, qui a l'air d'être suffisamment futé pour menacer l'un des nains de mon équipage. De quel bois tu te chauffes exactement? Je ne menace pas un nain de votre équipage. S'il l'est, ce n'est pas pour cela. Je ne fais que menacer ceux qui essayent de me voler. Allez-vous penser que j'ai, allez-vous me dire que j'ai tort de faire cela? Oh là là. Je vais... Au cas où que ça parte en couille parce que j'ai vu son besoin de sang, j'invoque doucement, mais sûrement, l'étui de mon arme de corps à corps et tu reconnais mon épée. Mais tu sais, je l'invoque comme s'il était toujours là en fait. Et j'ai la main bien sûr à la garde. Rodon, est-ce que tu paries ou pas sur cette manche? Tu vois qu'il se retourne de façon violente vers toi. Et bien sûr, allez, 7 pièces d'or. Et tu vois qu'il lance le dé à la suite de Biceus qui lui aura pris de l'avance. Moi, non, je ne l'ai pas jeté encore. Hop. Obicius. Oui, il va se faire avoir. Hop. Ouf, quelque chose me dit qu'il va gagner. Là, il a gagné. Il a regagné l'or qu'il avait perdu. Ouais, effectivement. Mais je crois que malheureusement, notre cher Ulad n'y porte pas chance cette partie. Ah. Comme on dit, jamais 203. Du coup, du côté de Rodon, il revient sur du regard sur Satanael. Et en fait, il te balancera. Enfin, il te balancera. Il avancera son poing en guise de volonté de vouloir faire un check avec toi, Satanael. Et en te disant, tu me portes chance, toi. Si vous le dites. Et je lui rends du check dans mon poing libre. Voilà, De la main, t'sais, de la main avec laquelle j'ai attrapé le dos du nain. Ok. Et au moment que tu le check, tu verras que son poing descend vers le bas pour aller foutre un bon petit taquet au nain. Et il dit, allez, une dernière. Mon âme aura étrangement disparu. Tu choisis la somme, Ilad. Bien, très bien. Et on est joueur. Hey, tes joueurs prends du pépé. Là, on est joueur. Autorisez-vous les paris extérieurs? Dit Satanaël. Oh mon Dieu! Ouais, bien sûr qu'on accepte ton pari. Je vais parier sur vous et je pointe Rodon. Et je vais parier. Attends, je dis ça comme si c'était rien, mais il faut que je vérifie que je les ai. Il vaut mieux. Tu sais quoi? Je parie 10 pièces de platine. Oh, tu sais quoi? Que je sors négli, que je mets la main dans ma bourse, de laquelle je sors négligemment une poignée de pièces de platine, mais même si je sais qu'il y en a précisément 10, que je, alors je les jette pas, mais que je lâche négligemment sur la table.
Je mise sur vous. C'est ce moment où je vois ça, souris, je me descends de ma chaise. Je vais. On est d'accord que c'est quand même une ambiance un peu festive dans le bar. Ah bah tout à fait. Vu que c'est une ambiance étonnante. Clairement, je vais taper du gantelet pour que tout le monde voit rien fait. Une table commence à parier. Une table de pari est en train de s'ouvrir pour ceux qui veulent rejoindre et se refaire un petit peu. Et tu verras, venez ici. Tu verras tout un tas de gens lever la main. Dire ouais, c'est quoi le combat? C'est quoi le combat? C'est un jeu de dés. Si je connais le nom du jeu de dés, je le dis. Et je leur dis... Quelqu'un commence à parier sur le Minotaur. Sur la victoire du Minotaur. Faites vos paris également. Attention. N'hésitez pas à mettre le prix. Parce que certains d'entre nous... Enfin, certaines personnes ici commencent à y mettre gros. Et littéralement, j'essaie de les faire rameuter un maximum. Hein. Hop, 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 hop. Écoute... Alors, je dois faire un jet de quoi? Non, mais t'inquiète pas, ça va venir à... Du coup, tu te revendiques comme étant la personne qui va recevoir les paris. C'est plutôt moi qui va te donner l'argent. Vu que c'est un pari à part entière. Ok. Parce que effectivement, tu vas voir les choses affluer vers toi. D'accord. Oh, répète. L'argent va arriver vers toi ou pas? Oui. Ok. C'est toi qui fais le rassembleur là. Je vais demander. Ouais, je vais demander juste au patron du bar, enfin au patron du resto, de me passer trois coupoles de bol. Oui, effectivement. Histoire de. Dit, voilà. Assez rapidement, les coupoles, en fait, au vu du nombre de mouvements, c'est pas des bols qu'on va t'amener, c'est des saladiers. Oh, parfait. Fait. Allez, un par un, tout doucement, et surveillez bien vos bourses, au cas où qu'il y ait des mains baladeuses. Et clairement, histoire que j'accentue quand même le fait que ce soit des sécurités, j'invoque une nouvelle fois mon épée qui, on sait pas d'où elle vient. Hein. Ah, elle disparaît, elle réapparaît, c'est incroyable. Et tu vas voir très très rapidement les gens affluer, se bousculer et tout ça. Du côté de la table de Thaïs, tu sens bien le mouvement. D'ailleurs, la jeune fille voudra aussi participer. Ah. Tu veux aussi jouer? Tu as de l'argent pour jouer? Oui, tiens, j'ai... Sur qui? Je vais miser sur notre ami. Et alors, je vais regarder les deux joueurs et ainsi de suite. Je vais essayer d'analyser leur manière de lancer les dés, l'ambiance, ainsi de suite. L'un a l'air peut-être un peu plus habitué au jeu au dé, et ainsi de suite. Et je vais essayer de conseiller la jeune fille pour son choix de son champion. Et je vais utiliser en fait un power qui s'appelle Trait de génie. Et donc, ça va me permettre en fait de lui transmettre mon bonus d'intelligence pour un jet de carac ou un JS. Et je vais lui donner en fait pour qu'elle fasse son bon le meilleur choix possible quand elle va évaluer son champion en fait. Hein. D'ailleurs, ah, vas-y. Bissus a son il a les mains un petit peu gluantes, ce qui fait que ça l'aide un petit peu à maîtriser les dés un petit peu mieux.
et qu'il a l'air de jauger tous ses adversaires, donc il a l'air d'être le plus apte à gagner. Après, il y a toujours la chance qui rentre dans le jeu, mais voilà. Exactement. Donc je lui donne un certain nombre de, comment dire, de paramètres d'évaluation pour qu'elle fasse son choix, en fait. Hein. Mais attends, ils sont combien à jouer? Ils sont 3 à jouer. Oui. Ah oui, parce que le nain, il joue pas, en fait. Non, non, non. Oui, c'est ça. Non, le nain a juste Ah. essayé de voler. D'ailleurs, Ouais, je regarde bel et bien le nain et le fulgro. Vu ce que j'ai entendu, et je salue le capitaine de ma tête, et possiblement qu'il puisse me reconnaître si on vient du même coin. Possiblement. Je sais pas si c'est du même pays, mais je te rappelle oui. mon BG. Mais il a pas l'air de te reconnaître. Oh oui. Mais en fait, en voyant que il a, il s'est allé dire. Mais dites-moi, ce jeu-là, devrait-il pas se jouer à 4? Si, J'ai mis du mais temps à me rappeler. oui, effectivement, il joue à 4. Mais le cabochard ici présent ne voulait pas participer. Bien. Sans pour autant retirer ma mise, m'autoriseriez-vous à prendre place? Et Putain, là je lève la main en mode. Attendez messieurs, il se peut qu'on ait un quatrième participant. Je demande une nouvelle salade. je fais monter la sauce. Et en fait, je fais comme si je le connaissais pas, Saint-Amael. Moi, depuis le début, je fais comme si je te connaissais pas. Hein. Je vous en prie, monsieur. Et là, Je suis Ulad. Installez-vous. Je fais, en disant ça, je regarde rapidement en fait Charlie, puis la gamine, en espérant que ce changement de regard t'ait fait comprendre quelque chose. Oui. Bah, de toute manière, je te parle dans la tête, en mode. Oui. Ouais, incognito, hein. Pas de Oui, soucis. Je te connais pas. exactement. Je fais la même. Je Et te l'envoie à la donc, maison. je m'assois. Alors, excuse-moi du coup, parce que j'ai pensé à ça à l'instant. Les règles, c'était quoi? C'était juste lancer les dés ou il y a une manière de le faire? Non, lancer 2D6, c'est tout. Il faut faire le. Mais comment on gagne là-dessus? Faire le Oh, plus fort. d'ailleurs, j'ai. Oh, j'ai une Plus idée de fort génie. sort. Je vais appeler Karcholan. Je fais. Oh, Karcholan! Tu peux me Ouais. ramener? Ouais. Tu vois qu'il se lève. J'ai besoin d'une nouvelle paire de yeux. Ouais, ça va être quelque chose que tu peux apprécier et qui va être simple. Ouais, bien Tu vois des sûr. gens qui volent. Tu vois des gens qui volent pendant les paris ou etc. Tu bouffes leurs doigts. Mais pourquoi tu veux qu'ils volent? Ils n'ont pas d'ailes. Non, du terme, te prendre un truc que tu ne sais pas. Ton argent, etc. Un synonyme serait subtilisé. Fait une petite voix qui vient, qui semble poindre de derrière. C'est fait. Je suis pas sûr qu'il connaisse le concept de synonyme. Mais subtilisé, vous savez ce que c'est. Non, c'est Oh quoi? oui. N'est-ce pas? Pourquoi Prendre ce subtiliser? qui ne vous appartient pas. Ben ça, je le fais tous les jours. Ben En un justement, mot, on dit subtiliser ou voler. voilà, tu vois ce que tu fais tous les jours, enfin, tu vois ce que tu faisais souvent? Ok. Ouais. Si tu vois quelqu'un qui fait ça, tu bouffes ses doigts. C'est méchant. Oui, mais c'est méchant ce que de subtiliser des choses. Bah ouais, mais bon, bah, il fallait bien que je le fasse, il fallait que je vive. Oui, toi, il fallait que tu vives. Mais tu vois bien que tout le monde ici n'a pas besoin de faire ça pour vivre. Oh bah non, c'est C'est sûr. pour ça. Ici, Ouais. oh, ouais. D'accord, Raison de ok. plus. Alors. Je regarde les autres avec un sourire en mode. Il va falloir qu'ils connaissent le problème. S'il y a des voleurs, Tu lui as ça va dit quoi chier. si jamais ça subtilise, tu lui as dit de faire quoi?
De manger les doigts. Ouais, bouffer les doigts, littéralement. Tu vois une personne pas loin de... Et je le dis assez fort pour que les gens entendent. Oui, oui, mais tu vois quelqu'un de, à côté de Kershwan qui s'apprête à boire sa pomme de bière. Et, ah, la sienne. Non, non. La personne boit sa propre pinte de bière. D'accord. Et Kershwan prend la pinte de bière, la balance, prend la main en même temps et commence. Non, 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 je fais. Hé, hé, hé. Il a volé. Vous voyez, monsieur, la bière lui appartient pas. C'est à celle du tavernier. Il a payé pour ça. N'est-ce pas? J'espère que vous avez payé pour ça, monsieur. Sinon, au lieu de parier sur l'un des joueurs, pourquoi ne jouerais-tu pas toi-même? Prends les dés et lance-les. Pose ton argent. Fais-je en regardant la fille. Si tu veux, je t'explique comment on fait. Tu les prends dans la main et tu les lances. En pensant très fort à faire un jet que tu souhaites atteindre. Je vais m'excuser auprès du gars en lui payant, tu sais, une nouvelle tournée, une bière, moi. Excusez-le. Et je vais lui expliquer par A plus B mentalement, parce que ça me paraît plus simple pendant que je le trie, et je lui dis, tu l'auras cherché, je vais te parler mentalement et tu vas comprendre un peu plus facilement, et je lui montre des images de ce qu'il faut qu'il fasse, et pas de ce qu'il faut. Donc, clairement... je lui explique par A plus B qu'il faut pas qu'il vole. Enfin, pour que ce sont des voleurs, c'est le plus classique. Pas ceux qui payent pour recevoir quelque chose. Et à la table des filles, vous aurez un signe qui regardera Thaïs et la jeune fille. Et si jamais vous avez un problème que vous perdez, vous me dites, je vais régler le problème assez rapidement. Et donc là, je vais elle aussi la conseiller pour qu'elle se réfrène dans ses ardeurs. Hein? Ouais, merci, merci. On est deux gestionnaires ici. Ce serait très dangereux maintenant, de la même manière que certains jouent avec leurs armes dans un bar alors que d'autres parient des sommes qui fâchent les autres quand ils perdent, parce que 10 pièces d'or, il y a certaines personnes, ça va les fâcher s'ils les perdent. Oui, on est d'accord. Tout ça, ça va tourner en autre boudin si ça continue comme ça. C'est pour ça que je... C'est pas 10 pièces d'or, c'est 10 pièces de platine qu'il a mis. C'est encore pire. Oui, c'est ça. C'est encore pire. C'est pour ça que je suis en mode détection de pensée. Étrangement, parce que là, je veux anticiper le mouvement, tu vois. Ouais. Ah bah ouais. On va pas m'avoir sur ce coup. Moi, voyant la somme qui est en jeu, je regarde Rodon et Viseus pour voir comment ils réagissent. Et j'imagine qu'il y a certaines tensions sur la table, MJ. Sur la table ouais. Dans l'ensemble du bar. Parce que là, si tu veux, il y a les pièces qui sont en train de s'accumuler dans les saladiers, ce qui déborde du saladier. Et là, on est en train de se dire, c'est pire qu'une banque, là. Si jamais quelqu'un voulait faire un hold-up, ça serait bon, quoi. Mais on est d'accord, il y a les mises... les participants ont misé, tu sais, à la base, parce qu'avant que je fasse ma connerie de dire qu'il y a des paris, il y a... Moi, j'ai pas encore misé, hein. Ouais, ok, d'accord. Moi, j'attends de voir ce qu'ils misent eux avant de miser moi. Ah bah bien entendu. D'accord, bon bah pareil. Ah, j'ai cru que vous avez misé, j'allais faire le bâtard, mais ok, c'est. Ah vas-y. Non, mais là ça chauffe. Hein. Là, je pense que on est tous chauds. Hein. Non, c'est bon. Comment te dire? J'ai j'ai une campagne d'économie à claquer. Allez, vas-y. je plaisante. Oh mon Dieu. Comment elle réagit la gamine au fait que je lui ai proposé d'aller jouer, en fait, de jeter les dés une fois. Du coup, elle se met debout et elle va discrètement se fendre dans la foule
Arrivé. Ben, moi, je l'accompagne, hein. Je passe derrière elle, je l'accompagne. Je vois ça, moi, ou pas? Oui. Ok, je pense à Charlie, dis, s'il te plaît, arrête là, ou au moins préviens-la, qu'elle ne me connaît pas. Ouais, je lui dis mentalement, justement, il fait semblant de ne pas reconnaître nos amis. Qu'on soit de parfait inconnu. Comme ça évite qu'il y ait des problèmes. Et t'inquiète pas, je te tiens l'œil, ne serait-ce que pour ta sécurité. Tu vois qu'elle te regarde et qu'elle hoche Je la tête plus ou moins discrètement. Ouais. Et je continue, tu sais, en mode attendez, attendez, là vous commencez à faire déborder la saladie. À un moment donné, on va récupérer 3 tonneaux si ça continue. Et elle arrive. Doucement, doucement. Elle arrive vers eux et fait, pardon, messieurs, excusez-moi. Du coup, tout le monde se retourne, je pense. Oui. J'aimerais jouer aussi. Et tu vois que suivant Biceus et Rodon, elle va aussi mettre 10 pièces de platine sur le bar. C'est clairement. Clairement, je fais un cinquième joueur! Là, clairement, je chauffe. Hein. Et je dis à Kerchonan, ouvre l'œil, sois mes yeux! Non. Bon, alors bah, quand elle fera le jet de dés, elle bénéficiera un bonus de plus 5 à son jet de dés pour gagner. Oh putain! En fait, c'est de la triche, quoi. Ouais, Non, clairement. ce sont de bons conseils, comment dire, Mais Des attends, mais astuces de comment? professionnels. Ah, tu veux dire qu'elle perd un jet pour... Ouais, d'accord, En je fait, vois. j'ai un power que je peux activer intelligence fois par jour qui donne mon bonus d'intelligence, un jet de carac ou un jet de compétence, ou un de JS. Alors. Et donc là, je lui donne un conseil. Alors, je peux l'utiliser pour moi ou à quelqu'un que je conseille. Et bah là, je l'ai conseillé pour jouer. En fait, ce que je veux surtout, c'est qu'elle apprenne à interagir avec des étrangers, en fait, hein, vu qu'elle a tendance à se replier sur elle-même. Et donc, bah, pour ce conseil, va lui donner un bonus de plus, hein, mon bonus d'intelligence, donc va lui donner un bonus de plus 5 au jet de jeu au dé, en fait. Hein. Parce que de la même manière que tu as les outils de voleurs, les bricoleurs, forgerons, tout ça, tu as une compétence pour les instruments de musique et autres, mais tu as des compétences pour le jeu aussi. Oh. Il me semble, si je me rappelle bien. Alors c'est dommage, j'ai pas eu le temps de lui lancer le sort pour être avantagé à son jet de Oh. carac. Ça aurait été Non, rigolo. ouais, elle a déjà plus 5, ça va être déjà bien. Par contre, Alors, ce que je propose, parce que vu que c'est pas un jet de jeu que je fais, mais 2D6, ce que je propose, alors deux possibilités, soit effectivement je rajoute un plus 5, ce qui fera qu'elle va certainement gagner. Ou alors bah ouais. je peux remplacer son dé le Bah plus lance-toi. faible par un Au lieu 5. de lancer 2 dés de 6, au lieu de lancer 2 dés de 6, lance 3 dés de 6 et garde-en 2. Oui Ah ou oui. alors T'en que le plus lances faible pour 3, un t'en 5. gardes 2. Et puis comme ça, c'est pas trop monstrueux. Et puis et Ouais, au c'est pas trop. maximum, elle ne fera toujours que 12. C'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Alors. Ok. Ouais. Oui. Alors, Par juste contre, parce que je. et ça empêche pas les autres de l'égaler ou de la battre. Oui. Mais par contre, ce que j'allais demander au moment de lancer les dés, mais bon, comme vous parlez déjà d'un plus 5, tout ça, ce que j'avais en tête, moi, c'était en fait de jouer sur on va dire, l'escamotage un peu surnaturel de Satanaël. Sur sa dextérité dans les doigts, on va dire, lors du lancer de dés, parce que j'ai un petit item qui me donne un plus 5 aussi au jet d'escamotage, sachant que j'ai déjà beaucoup, donc je sais pas si... Bah oui Oh aussi. mon Dieu! Donc je crois Parce qu'on que va du coup, avoir du j'ai, monde à en fait, faire progresser, je pense.
Actuellement, escamotage, je suis à plus 13. Est-ce que bon, en vrai, je proposerais un truc, c'est que qu'ils fassent des jets de escamotage les deux, et s'ils réussissent, tu leur donnes soit un 6 obligatoire ou Non, à non, savoir ce que tu veux, Claude, mais non, c'est parce ce que que. j'ai pas de réelle fiche pour, ni pour la jeune fille, ni sur un autre qui aura aussi la possibilité d'avoir 3D6. C'est pour ça que je préfère autant faire 3D6. Mais on est d'accord que la table des joueurs, c'est tellement tendu. Bah, là pour l'instant les mises elles sont pas toutes mises. Hein. Non, et là, n'a pas encore Ouais. mis sa somme. Ah Mais là, parce les que. pépés qui sont venus en mode, allez, Parce qu'en fait, allez. donc du coup, Rodon et Biceus ont misé 10 pièces de platine, c'est Oui, ça? c'est ça. Ok. Du coup, je sors 10 pièces de platine. Ouais. Et je reglisse ma main dans ma bourse. Et j'en ressors 11 de plus. Oh Ah, la c'est-à-dire que tension sexuelle! t'as sorti 21 pièces de platine là? Oui. Ouais! Oh! Là, je. Là, je chauffe les gens! Là, je chauffe les gens! Là, c'est. Allez-y! Ah, Je ne là. suis d'habitude pas pour cette escalade, ce concours, on va dire, de virilité mal placée, mais je me sens d'humeur badine. Cette Anaëlle, dans sa petite, ce qui se ressemble à une petite bourse pourtant, plonge les mains pour sortir ce qui semble être une dizaine de pièces de platine, replonge encore la main dans sa bourse pour ressortir 10 pièces de platine, et va faire ça une troisième fois pour un total de 30 pièces de platine. Là, je pense que je pense que si le bar regarde ça, déjà qu'on n'est pas forcément, je crois qu'on n'est pas si nombreux que ça. Là, je pense qu'on sent la tension sexuelle là. Elle est incroyable. Alors, non, c'est pas une tension sexuelle. Là, c'est une autre sorte de tension. Une tension de cupidité totale. Là, je regarde les paris, je fais, vous êtes sûr de garder les paris ici? Est-ce que Non. vous voulez rajouter? Est-ce que vous. Oui, mais alors du Et coup, parce qu'il y a 30 pièces de platine là, est-ce que. Parce que du coup, je pense qu'on est au-dessus 40. de. On est car il y a 40 pièces de platine jouées. Oui, mais du coup, Ouais. est-ce que Ulad les aligne aussi ou pas? Parce que je crois qu'il n'était pas 40. Les 30? Ouais. Mais attends, comment ça Oui. 40? Attends, qui a mis 40? En gros, t'as mis 10. Après, quelqu'un avait mis 11. Enfin, 10 plus 11, donc 21. Puis toi, t'as mis 30, ce qui est passé à 40. Donc là, la partie se jouerait sur 40 pièces de platine. Vache. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Et du coup, je suis. Ouais, non, mais alors attends 2 secondes parce que j'avais oublié les 10 premières. C'est 30 pièces de platine. Hein. Au total, en fait, plus. Exagéré. Ok. Voilà. J'aurais ressenti 10 et encore 10. Voilà. Donc ça fait Voilà. 30. Oh la vache! Oh Bah, bah ça reste. je suis. Oh mon Voilà. Dieu. Je demande au patron de bien noter tous les paris. Hein. On est bien Ça, d'accord que c'est du coup, important. au total des paris sur les tables, on est à 30 pièces de platine. Oui, et Hein. ça, en plus des paris sur qui va gagner qui, tu vois. Attends, ça dépend. C'est 30 une personne, hein, c'est Oui, pas au c'est ça, total. c'est 30 par personne. Ah ouais. Donc on est Pour ceux à qui suivent. on est à 150 pièces de platine. Bah, ça dépend s'ils suivent. Ils suivent? Ah bah oui, bien Oh, sûr qu'ils si. suivent. Tous? D'accord. Alors, Oh mon Dieu. oui, bah oui, même la jeune fille. Alors, là, il faudrait que tu me dises combien de personnes a parié sur qui et sur quoi. Donc, pour savoir combien, quel serait le gain total par personne qui, enfin, si la personne gagne. Et je donne, de mon côté, je leur montre à tous, genre 5, 10 pièces de platine pour la jeune fille. Alors, attends,
Je vais le faire de façon assez marrante. Parce que là, en gros, là, je parie 10 pièces de platine sur la victoire de la petite. Sur Rodon, il y a 191 pièces d'or. Parce que là, je parle seulement du public. Oui. Oh, la vache. 199. Sur la jeune fille. Ulade. Ouais, je finis. Ah oui, la jeune fille. Je finis par les PJ. 207 okay. Pièces d'or. Sur Ulade, 179 pièces d'or. Et sur Satanael, 196 pièces d'or. Les gens ont pas confiance en moi, à ce que je vois. Moi, je vais être filou. Je vais mettre 20 PO, mais partagé en deux. C'est-à-dire que je vais ajouter 10 pièces d'or pour la fille et 10 pièces d'or pour Satanael. Ah la vache. Il a demandé. Comme ça, je suis filou. J'ai une question pour avoir vu les parties précédentes. Oui. Il y a un tour de jeu. C'est un à un et on lance les dés. Ou c'est tous en même temps? Un à un, on jette les dés. Ouais. Est-ce que chacun a ses dés? Non, tout le monde joue avec les mêmes dés. Ah. C'est le même set de dés pour tout le monde. C'est ce que je... Alors, jusque-là, chacun jetait ses dés. Est-ce que je peux regarder, faire pour éviter une potentielle triche, je vais proposer quelque chose, si ça vous dérange pas. Et je vais montrer ma main qui est vide. Je vais la fermer. Je demande à mon patron quelque chose. À mon avis, c'est un peu comme si j'invoquais mon arme, mais tu sais... Et j'invoque un set de dés, donc 2 dés de 6, mais particulier. Tu vois où il y a des trous pour dire 1, 2, 3, 4, 5? Ouais. Des petits yeux. D'accord. T'es sûr de toi, là? Ah oui. De toute manière, mon patron est comme ça, hein. Je ne peux pas choisir ce que j'invoque, hein. Je rappelle, c'est les patrons démoniaques. Hein. Oui. Et ouais. Tu verras les gens autour. C'est que je dis. Qui seront. Oh. Oh le ouf, eh. Voilà. Comme ça, je suis sûr que tout va bien se passer, n'est-ce pas? Les commentaires, c'est du genre. Oh, c'est stylé, trucs comme ça. S'attendent pas du tout à ce que ça soit quelque chose de sorcier. Oui. Et j'utilise. Il réagit comment le Rodon, le paladin à côté de moi en voyant ça? Non, ouais. Et c'est paladin de l'ombre. Je demande au MJ comment il réagit. Vous avez le droit en le voyant. Perspicacité. Faites-vous plaisir. Je m'en fiche. Oh, ok, dans ce cas, je le fais, mais honnêtement, je m'en bats les couilles, mais d'une force. Est-ce que par contre, Thaïs le fait aussi? Précise qu'il faut quand même avoir la connaissance de mon patron pour savoir que j'ai un patron de ce style-là. Oh. Connu, hein. Les manches cerveau, hein. Pas si connu que ça, hein. Du coup, Thaïs, est-ce que tu fais le jet de dés aussi ou pas? Non, moi je joue pas, en fait. Hein. D'accord. C'est vrai. En fait, pour ceux qui sont un légèrement psychologue,
Là, c'est 300 pièces d'or, tout ça, pour elle, c'est de la gnagnotte. Hein. C'est pas une grosse somme, hein. C'est juste du bleu, voilà. Voilà. Ah, par contre, je dirais un truc, Claude. Je n'ai même pas besoin de jet de perspicacité, car je l'avais mis en sort. Détection de pensée. Donc, si je devais lire les pensées, j'ai pas besoin. Ah, mais détection de pensée, il faut que tu te focuses sur quelqu'un, une personne à la fois, et ça dure une minute. Oui, mais je peux relancer. Et je suis en repos. Et je suis en repos. Je rappelle qu'en repos, c'est sorcier. Donc, ça devrait aller. De façon assez facile, facile entre guillemets, Satanael et toi, Charlie, tu sens que le fait d'avoir invoqué ces dés fait que Redon a vraiment envie de te buter. Oh, il est mignon. Il en fait rien, mais il en a l'envie. Et il en a le regard aussi. Je vois ça, moi, ou pas? Ah oui, tu le vois, ouais. Bon, bah moi, je lâche. Je trouve que ces dés ont un aspect bizarre. Personnellement, je préférerais jouer avec les miens. Après, si vous voulez les inspecter, je sors du coup une paire de dés, somme toute très classique, que je tends vers Redon. S'il désire les examiner. Non, il les prendra et il te dira « T'es mon porte-bonheur, je prends tes dés. » Alors, je prends les vôtres. Je reprends si dans vous ce voulez, cas. Je prends la parole. Si vous voulez, je n'ai parié sur personne. Je peux vous fabriquer des dés, tout ce qui a pu neutre. Ouais. Je retire mes dés de la même manière et faire. Oui, en effet, c'est une bonne chose. Si tous les participants joueurs sont d'accord, je veux bien vous fabriquer des dés pour la partie. Par contre, je n'ai aucune objection pour ma part. Vous êtes sûr que ce serait votre porte-bonheur quand il va gagner? Je vais dire je vais sourire au Minotaure, je vais dire, vous savez, si c'est votre porte-bonheur, pourquoi il commence à jouer contre vous? Je vais sourire et je vais juste m'en aller en mode plus de tension. Ah putain, non, ça prend une heure de travail pour le faire. Non, ça va pas être faisable, laisse tomber. Ah là non, moi je regarde. J'ai pas abordé le sujet. J'ai juste pas percuté que ça prend une heure pour les fabriquer. Quoi. Par contre, si le Minotaure veut banaliser, ah clairement je fais ça juste pour le spectacle. Je m'en fous que. Alors, Charlie, tu n'as pas, sauf si tu me fais un jet éventuellement d'athlétisme acrobatique, mais sinon tu n'auras pas le plaisir de te satisfaire de tes jambes. Oh, bah si, je peux faire ça. Pourquoi il a voulu faire un croche-patte? Non, mais est-ce que tu... Je fabrique. Je prends ma dague et je fabrique des dés dans un bout de bois, dans une bûche et autre, rapidement. Voilà, je fais un 22 pour fabriquer les dés. Okay. Voilà, c'est professionnel. Je regarde. Vite fait. Non. Attends. De ton côté, Charlie, est-ce que tu veux, en fait, si tu veux savoir ce qui va se passer, c'est qu'au moment où tu commences à ranger tes dés pour les faire disparaître, tu vois les gens qui essayent de te prendre sur leurs épaules, de te soulever en l'air. Donc, est-ce que tu veux les empêcher de le faire ou pas? Pas de l'ombre. Pas de l'ombre, ok. Très bien. Donc, de son côté, Thaïs fait ses dés. On va y arriver à cette baston, ça va arriver. Ouais, mais clairement, c'est le moment où on me soulève, ce moment où je n'aime pas ça. J'ai disparu dans la fumée, je suis revenu. Il fait. Eh, mais je fais super mal, moi, au point. Par contre, on est d'accord que là, ça va jouer.
Oh, je profite pour me reposer un peu, hein, même si. Oh, je me doute bien que là, ils vont se concentrer pour leur jeu. Bah, du Là, coup, comme jamais. en fait, du côté de Rodon, en fait, il y a une certaine absence, puisque du coup, il regarde Satanael avec les dés et il dit, bon, je suis désolé, mon copain, mais bon, l'équité veut qu'on accepte ces dés créés main. 150 pièces de platine, il y a en jeu quand même. Je tiens à signaler. Mais attends, mais je crois que tu te reposais, t'es là ou t'es pas là, je comprends pas. Si, je suis là, mais je peux vous écouter et parler. Il est loin surtout. Ah oui, ah, mais ah oui, ah oui, mais si je me suis TP, oui. Dans ce cas, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je vais rien dire. Putain. Bon, merde là. Bah, tu vois que ça l'emmerde aussi. D'ailleurs, vous remarquerez que du côté de Biceus, lui, il est emmerdé tout court. Ah, Oui, moi bah je regarde ça. En fait, la seule qui est bien, c'est la jeune fille, en fait. Bah non, moi aussi, hein. Alors normalement, L'équité. il y a la compétence jeu qui se joue avec un bah, selon le jeu qu'on dit désigne, et en fait bah, c'est un jet de carac. Et si quelqu'un a pris le jeu comme compétence comme maîtrise d'outils ou de compétences personnalisées, donc il y a moi par exemple j'ai bricoleur, hein, mais il y en a d'autres qui D'accord. prennent véhicule terrestre. Guitare, ainsi de suite, et il y a possibilité de prendre jeu, les dés. Et donc ceux qui prennent jeu, les dés, ils rajoutent leur bonus de carac, ils rajoutent leur maîtrise dessus. Exactement, c'est comme les kits en fait, les kits Ouais, de c'est ça. réparation, d'herborisme, etc. Parce que moi j'ai outils de voleur, bricoleur, forgeron, cartographe et véhicule terrestre, et puis après il y en a qui prennent des trucs de jeu aussi, hein. Moi j'ai que herboriste, mais ça me va très bien. D'accord. Ouais, tu fais dans les poisons, quoi, toi. Non, même pas. Parce que Tu sinon fais ça dans serait les pire trucs pour qui le coup. sont. Tu fais dans les trucs qui sont édibles, qu'on peut manger. Ouais, C'est bien exactement. aussi, hein. C'est bien aussi, Non, hein. parce que Du coup. Vas-y. si c'était si c'était du poison, j'aurais quitté empoisonneur. Pas pareil. C'est pas un mauvais choix, Bah, je trouve. vas-y, arrive. du coup, j'imagine cette année, va. C'est parce que je proposais simplement pour continuer la partie comme elle a commencé, mais si vous le souhaitez. Et on peut le faire effectivement Oui. avec le jet de charisme comme vous voulez. Parce que là, du coup, le tricheur, il a peut-être pris il a peut-être pris la compétence jouer au dé, et il a peut-être le bonus de maîtrise à son jet de dé, tu vois. Ah Vu oui, que c'est c'est lui qui est vrai. venu avec, vu que c'est lui qui est venu avec les dés au départ parce qu'il voulait jouer avec les dés, quoi. Mais ça, je ne peux pas savoir. C'est. Oui, mais ça c'est au mieux jeu de savoir. Oui. Ou sinon, on refait à la même manière avec les deux dés de 6 et Possible. on voit comment ça se passe. Ben je quelle que soit la manière face hein, j'imagine. Du coup ben, parce que là c'est même pas Satanel essaye de quoi que ce soit, c'est juste bon on fait comment du coup? Ben on va faire ça, on va faire un jet de charisme. Et ceux qui ont le jet jeu de dés, ben, avec le jeu de dés. Charisme. Pourquoi charisme? Ben, c'est pas le jet de charisme qu'on a dit tout à l'heure? Que tu disais. Mais pour quelle raison ce serait charisme? C'est un jet de carac adapté à l'action. Alors pour jouer au dé, à mon avis, je C'est dirais que intelligence. c'est de la dextérité, intelligence ou C'est dex, quoi. intelligence ou dex parce que en général, c'est ce que. Je crois le Alors, c'est voleur. peut-être laisser le MJ décider, s'il vous plaît, parce que c'est. Attendez.
De toute manière, il y a les kits d'objets dans les règles. Je peux regarder si vous voulez. Non, mais là, le problème, c'est que c'est allié au contexte du 2D6 de jouer. Dans le sens où je pourrais accepter les 3D6, ça serait sur un. Enfin, si vous êtes d'accord. Sur un jet de jeu de dés, si vous l'avez réussi. Si ça vous va. C'est-à-dire que ceux qui ont la compétence jet de dés font un jet de caractéristiques, c'est ça? Voilà, et s'ils réussissent, ils auront le troisième dé. Ah. Sur lequel ils prendront les deux meilleurs, c'est ça? Voilà. Un dédit de combien pour réussir? Bon, je le mets à 10. Ok. Et si on n'a pas la compétence D, on peut pas le faire, on est d'accord. Non, non. Tu es fou. Ah. Bah non. It. Ah, donc la jeune fille est une fripouille de base. Ah ouais. Non, la jeune fille, Non. moi je lui ai donné le bon conseil qui lui donne Oui, voilà, c'est ça. l'équivalent du fait qu'elle soit formée, entre guillemets. Mais ça ne marchera qu'une Ah. fois. Si jamais vous arrivez à l'embarquer dans une deuxième série de dés, de lancer de dés, elle n'aura plus l'avantage, par contre. Il faudra que je la re-inspire. Donc si on est d'accord, si vous êtes tous d'accord, faisons comme ça. En effet. Vous êtes tous d'accord? Oui. Alors, je suis d'accord, c'est juste du coup, moi je. C'est. Alors, je demande hein, si ça sert à rien. Du coup, bah, tant pour moi, c'est juste que j'avais parié dessus. Et vraiment, hein, tant pour moi, hein, c'est. Je me plains pas, hein, t'inquiète. Mon bonus dû à mes gants enchantés pour le jet d'escamotage, parce que moi j'imagine faire un jet d'escamotage. Est-ce que je peux quand même, ou comme j'ai pas la maîtrise bah, du jeu, ça compte pas? Si, si, bah, c'est comme la fille, hein, comme avec le sort qui a été, enfin, comme ce qui a été lancé sur la jeune fille, c'est pareil, ça marche. Ok, ça marche. C'est En fait, parti, finalement, messieurs, dames. c'est que Rodon et Biceus qui font le jet de dés. Bah, Bon. en fait, Biceus le fera Même pas pas Rondon. parce que contrairement aux autres, Biceus, vous venez de lui faire sauter son avantage. Oui, Et d'accord. qui était dans ses dés, le connard. En ce qui concerne Je... Rodon, non, il n'a pas de bonus particulier, donc il y aura juste Yaki. Bah, c'est Mais que la jeune fille et Satanael qui ont un 3D et qui gardent les deux meilleurs. voilà, c'est ça, tout simplement. Du coup, on lance 3D, il n'y a pas de jet de carac. Non, il n'y a pas de jet de carac. C'est plus sympa comme ça, je trouve. Ok, d'accord. Donc, qui lance les dés? Qui commence? Bah, le PNJ. Oui, ce que je disais tout à l'heure, donc je vais commencer par ça. Alors, Rodon, 2D6. Allez, lance les dés parce que si, si, voilà. Biceus 2D6, du coup. Vous lui avez niqué son avantage. Là, il est dégoûté. Là, déjà, il joue après Rodon. Il est dégoûté. Il est au bout de sa vie. Là, je pense qu'il y a des gens qui suent. Là, c'est la jeune fille. Alors là, tout le monde est. Il y a un silence de mort là. Au moment où elle a les dés, elle est toute folle, elle s'en fout. Elle jette les dés. Ah non, mais elle s'amuse. Ça fait 9. En plus, Oh! elle est au-dessus. Neuf. Donc c'est à vous de décider maintenant entre Satanael et Ulad. Bah, c'est comme on est sur de l'ordre de la table, hein, j'imagine. Je...
T'as eu la dent. Je Du me rends coup, pas compte. je prends les dés, et je souffle dedans et je les lance. Putain! Excellent. Excellent. Satanaël, en fait, tu sais, est accoudé à la table, se retient la tête, tu sais, avec la main comme ça, un peu nonchalamment, attrape les dés et vraiment les laisse glisser de la main nonchalamment par de la même manière, Oh comme si ça oui. l'affectait pas. Vas-y. 9. Neuf. Oh, dommage. Et là, Hulad se lève, quitte à faire tomber ce tabouret derrière, et fait « Ouais! Et il dit, et moi je t'applaudis, fais Attends, attends, attends. applaudissez-le! Attends, parce que derrière, ce qui se passe derrière, parce que là, au moment où la jeune fille a fait neuf, les gens commençaient à être un petit peu heureux, tu vois. Et ils retenaient leur souffle, mais parlaient un petit peu au moment où il a lancé les dés. Et au moment où il voit le 10, où le 10 est crié par le tavernier, entre autres, il y a une certaine pression autour de la table des paris qui a tendance un petit peu à se resserrer, voire avoir des gens qui disent, c'est pas possible! C'est pas possible! Et ça se resserre. Alors, je voudrais savoir ce que vous faites au niveau de la table des paris parce que Alors, justement, je vais prendre la parole. Moi-même j'ai perdu, j'ai même perdu gros. Soyons bons joueurs, mes amis. et pendant que tu dis ça, Et t'as j'ai. Satanael qui va lancer ses dés et pendant que c'est qui se retourne qui dit ouais ah non c'est Ulad qui dit qu'il se retourne et tu vois que Et vous allez remarquer au niveau de la table des paris qu'il y a des gens qui commencent à se taper dessus. Je rapatrie la gamine à la table en lui expliquant que ce serait dommage de prendre un coup Ouais, je suis d'accord. inutile. Hein. Et elle, innocemment, elle Retournons était en voir train notre d'applaudir amie. Ulad. D'ailleurs, on l'a laissé tout seul bien que trop longtemps. Alors, je vois que ça se bastonne. On est d'accord que ça me déplaît. Parce que bah ils sont mauvais joueurs. Oui, totalement. Mais Je bon, vu regarde. les sommes engagées, bon. Ouais, tu m'étonnes. Je vérifie juste que les gains se font bel et bien pour bah, Ulad. Oui, Je oui. prends mon bouclier. Je regarde Rondon. Ouais. Enfin, je regarde Rondon et clairement, je sais que bon, il a envie de me tuer, mais j'ai envie de dire que bah, il sait bien. Moi, je te dis d'avance, je surjoue. Hein. Je m'amuse plus qu'autre chose. Du coup, je prends les gains hein, au fur et à mesure. Voilà. Je vérifie que ça se passe bien de leur côté Ouais. et derrière, si la jeune fille part, clairement, j'arrête ma concentration. J'ai pas besoin de savoir plus. Quoique. Quand je regarde Rondon, il veut profiter de ça pour me tuer ou il se ravise quand je prends mon bouclier? Non, en fait, lui, il a complètement oublié qu'il voulait être massacré. Non, il veut me massacrer, moi. Non, Là, non. je crois que c'est plus ça, en effet. Non, en fait, ce qu'il va faire, c'est un coup de main sur la tête à Biceus et un autre sur la tête à Satanael. En tout cas, vous êtes bon joueur et je serre la main. C'est une chouette Oui. partie. Bien joué. Et je serre la main du lad et aussi de Rodon et Bicellus. Ah, belle partie, n'est-ce pas? Ouais. D'ailleurs, je vous propose de vous payer un verre à chacun Ah, pour c'est remercier. bien. Venez ici, hein, dis-je. Au groupe de. T'es vraiment dans un coin en mode. Venez ici, hein. Bon, il Et nous appelle, rentrons. mais partez pas tout de suite, hein. J'insiste pour ce verre. Et du Oui, coup, je me rapproche. justement. Je vais gueuler. Justement, ça se bastonne. Allez, vous y venez-vous. Ah. Oui.
pour ça que je dis ça. Alors, je crois que dans ce genre de pari, Claude, si je me rappelle bien, c'est ceux qui ont parié pour Ulad qui gagnent l'argent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et du coup, on est en train de partager, alors j'ai calculé ça tout à l'heure, les 1076 pièces d'or, on est en train de les partager avec ceux qui avaient parié sur Ulad. En fait, on va garder les 76 pièces d'or qu'on va mettre de côté et qu'on va amener en bonus à Ulad. C'est ça. Je fais vraiment garde d'office de garde-fou. S'il y en a un qui tente de se rapprocher, coup de bouclier, et je demande à Karcholan de l'éjecter ailleurs en mode « que tu te calmes, toi ». Eh bien, moi, je prends les 76 pièces d'or qu'on m'apporte et je m'approche du tavernier. Je les pose sur le comptoir, tourné pour tout le monde. Et là, t'as les... Oh, ceux qui sont près de toi, qui ont entendu ça, se mettent à crier fort ce que t'es en train de faire. Et du coup, les gens arrêtent de se battre. Et tout d'un coup, t'entends des hurrahs. Ouais, super, génial. On n'a plus d'argent, mais au moins, on va pouvoir se boire la gueule. Et je vais regarder quand même lui là, je vais dire... Ils sont quand même vachement cons de parier tout leur argent alors que je roule les yeux. C'est comme s'ils les avaient dépensés à la taverne. Oui, puis rien ne te dit que celui qui l'a dit, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Oui, aussi, mais... T'as peut-être qu'un seul con qui a dépensé toute sa fortune dedans. Hein. Je demanderai à tavernier pas une bière, une bière vraiment légère, voire pas d'alcool. Si c'est possible. Est-ce que quelqu'un surveille la jeune fille ? Moi, je suis avec. Oui. Parce que en partie. Ah non, moi je surveille. On voudra en passer une à la jeune fille. On voudra en passer plusieurs à la jeune fille, en fait. Ah ouais ? Moi, je fais en sorte de quitte à ignorer mais les personnes à qui je parle à des moments, je fais en sorte de toujours avoir un œil dirigé vers elle. Et si je commence à voir ça, je dis excusez-moi et je m'avance vers elle. Et moi, du coup, avec le verre d'eau que le tavernier m'a resservi parce que j'ai demandé une tournée pour les participants de la partie, je me retourne vers la salle et tu sais, je mets les deux coudes sur le comptoir et je fais alors en tant que parrain, vous devez pas avoir beaucoup de jeunes filles. Est-ce qu'il y en a qui vous plaît par ici? Quoi? Et ouais. Du coup, je dis, par exemple, celle-là, là, qui, avec les cheveux un peu bizarres, ça vous dit pas, Rodon? Quoi? Attends, tu parles de Alcine? Oui. D'ailleurs, Alcine, il est en train de boire comme. Attends, je regarde quand même Alcine. Oui, alors oui, effectivement, je voulais vous en parler justement. Alors, du côté d'un signe, en plus, vu que t'es en train de dire ça, il a, ça va être sympa. Du côté d'un signe, au moment où ça commençait un petit peu à virer au je te pousse, ça va mal finir, vous avez vu Karcholan se jeter sur un signe et mettre ses quatre bien. Bras à serrer la tête d'un signe pour éviter que. Fasse quoi que ce soit avec ses yeux et ses serpents, et en bas pour éviter qu'elle bouge ses bras. Donc, franchement, empêché, vous savez pas ce qui se dit, vous savez qu'elle essaye de se débattre, et Karcholan de faire au mieux pour la maintenir, jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui dit à Rodon de regarder un signe. Et Rodon qui voit Karcholan qui est en train de effectivement de maintenir serré ainsi et qui te dit tu veux que j'aille la sauver?
Oh bah moi je la connais pas, mais si elle te plaît, la voie est libre et je lui tends la et je tends la main vers en indirection. Alors, moi, de mon côté, j'entends ça, je vais vers un signe, mais direct, en mode, oh putain, je vais la calmer avant qu'il se passe une dinguerie. Donc, je pense que Rodon et moi, on va dans la même direction. Rodon, Oh la vache. alors justement, tu fais bien de le dire, puisque c'est un Minotaure, tu verras Rodon se lever, foncer vers Carcholan. Alors évidemment, hein, parce que les gens voyant ça se disent on va peut-être s'écarter, parce que bon, c'est pas tentant de se rester en plein milieu. Et alors que tout le monde pensait, même Kerchelan, qu'il allait se faire foncer dedans, il s'apprêtait d'ailleurs à lâcher l'un de ses bras pour essayer d'entartrer Rodon au cas où. Sauf que Rodon s'arrête à peu près 2 mètres de Kerchelan, le regarde dans les yeux, avec les yeux furieux comme d'habitude, et dit à Kerchelan: est-ce que tu veux que je t'aide à l'assommer? Ça ira mieux. Ouais. Je regarde, je m'approche. Soupir. Attends, tu fais ça. Pendant ce temps-là, Ouais. Kerchelan, lui, est en train de dégager un petit peu l'espace au niveau de la tempe de Insigne et de le présenter à Rodon. Ouais, justement, on est d'accord qu'il va chercher à l'assommer. Il va chercher à l'assommer et en plus, Kerchelan est en train de lui faciliter le truc. Ok. On est d'accord qu'il est de ma taille. Oui. Enfin, oui. Je mets ma main gantée sur Rodon. Je le fais reculer un petit peu. Et je me mets entre lui et Insigne. Et clairement, ma main sur la garde. Et moi, pendant ce temps, je me retourne face au comptoir, je me rapproche de Biceus, et je lui dis, tout en buvant mon godet d'eau, alors comme ça, vous êtes de passage, vous allez vers où? Comme ça? Ah Distraction! ouais. Ok. Ouais. Vas-y, Satanel, c'est à ton tour. Vas-y. Alors, non, mais je demande parce que je sais pas si je vois la chose. Vu que moi j'avais dit que je vu qu'il commençait à donner des bières à la gamine, j'ai oublié son nom hein, d'ailleurs. Je crois que tout le monde a oublié son nom. Ouais, Oui, c'est t'inquiète pour pas. ça qu'on dit la jeune fille. Je me dirigeais vers elle, donc je ne sais même pas si je vois tout ça. Pour dire eh bien messieurs, je vous prie de vous calmer. Ce n'est pas des façons de donner de l'alcool à une enfant. Et tu verras que les gens qui voulaient lui donner. Ouais. Puis ils retournent à Penaud avec leur deuxième bière. Thaïs, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, j'accompagne la gamine Ah bah oui. pour retourner à la table avec la méduse. Hein. Okay. Oui. La méduse qui est plus tout à fait à table, mais. Elle est plus tout à fait à table. Non, Oh elle bah, est. disons qu'elle est à terre, à côté de la table. Non, elle n'est pas à terre. Elle est pas à terre. Elle est dans les bras de Kerchelan. Kerchelan qui est en train de présenter la tempe à Rodon, qui s'apprête du coup à lui asséner un coup sur la tempe. Sauf que. Sachant que je m'interpose. Voilà. Oui. Et disons que je lui montre que je suis prêt à dégainer hein, pour ça. Et je fais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Écoute, je vais me mettre bien en vue de la personne. Je vais tendre ma main pour qu'il puisse voir ma bague à Dracogramme et je vais lui parler à l'oreille suffisamment, enfin à l'oreille suffisamment fort pour qu'il m'entende. Ça, je ne vous le conseille pas. J'utiliserai de mon influence pour que vous le payiez si vous attaquez à cette personne. Vois ses mufles qui expirent de l'air comme il faut. Il regarde Charlie.
Et je le regarde avec un, tu sais, le sourire le plus diplomatique possible. Je vais enchérir en disant. Et avec fort de ce conseil, je lui donne un bonus de plus 5 pour se maîtriser. Ah, il va peut-être pas souffler avec ses naseaux, du coup. Effectivement, il va regarder quand même Charlie avec une haine assez profonde. Un signe, il va s'en. Charlie, c'est la méduse, c'est ça? Non. Non, 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 non. Charlie, c'est l'humain. Ok. Il va s'en On est foutre d'accord, là il était totalement. en train d'agresser la méduse. On Ouais, est d'accord, j'ai bien c'est ça. compris. Ok. Je suis sûr que dans vos préceptes de paladin, ça devrait pas trop passer, les agressions comme ça, à des randoms. Même si c'est demandé gentiment. Mais je ne voulais pas l'agresser, je voulais juste la mettre Juste hors d'état de l'assommer? nuire. C'est ce que... Et hors d'état de nuire, c'est pas agresser? Pour l'instant, la personne qui nuit à l'autre, c'est vous. Donc, maîtrisez-vous, reprenez-vous et tâchez de montrer bonne face au peuple de, comment dire, pour la religion et le culte que vous représentez. Et vous êtes dans un lieu public ici. Il Même approuve si je du fais du genre chef. discrète. Il approuve du chef. Il montre du doigt Carcholan et lui dit, toi, viens avec nous. Je regarde Kerchonan et je lui dis, n'oublie pas ton délai en mental. Tu sais, les gouttes d'eau, les sorcières. Kerchelan ne lâche pas sa prise sur un signe, l'a remis droite. Te regarde, regarde Thaïs. Vous vous sentez de la maîtriser maintenant? Mais elle est capable de se maîtriser totalement elle-même. Suffit juste de pas l'agacer. Tu vois Je le pense que quand on taverne? vous agace, vous aussi, vous avez du mal à vous maîtriser, n'est-ce pas? Tu vois que sur ces mots que tu dis, tu entends « Ouais, j'arrive, j'arrive !» Et tu vois le tavernier qui essaye de se faufiler avec un plateau de lard et de patates. Parfait. Fait. Du pain noir bien épais pour que ça absorbe. Et moi, je vais en profiter pour lancer un spell à Méduse en lui demandant de ne pas résister. Ça devrait l'aider à gérer le surcroît d'alcool qu'elle a ingéré. Alors au début, elle va continuer bien entendu de parler comme si elle était bourrée, puisqu'elle est bourrée. Mais ça Oui, ira mieux au là, fur et à mesure. si elle me laisse lancer, enfin si elle accepte que je lui lance un sort, je lui lance une amélioration de Karak, donc je vais lui augmenter son. En fait, elle va avoir un avantage à ses jets d'endurance, donc de JS, de Constit, en fait, pour D'accord. résister au poison qu'elle a alcool, en fait. Et du coup, comment a réagi Biceus à ma Oui, question? mais attends, je vais y venir, t'inquiète. Oui. Juste pour finir du côté d'un signe, je fais un sur son sur sa sauvegarde, donc heureusement que tu lui as donné un petit peu de surplus, même si ça suffira pas, mais bon. Non, attends, elle a avantage, je crois. Elle a C'était ça avantage. que Ah tu lui donnes? oui. Oui. D'accord, pardon. Avantage Pourquoi ou plus 5, hein? l'avantage? Elle a l'avantage sur son JS Constit contre le poison et un plus 5. Oui, bah, j'ai fait un deuxième 1. De bol. Tant pis. Pourtant, un dé qui fait des 20 souvent, mais là, il a fait des 1. Ben, effectivement, elle va tout déballer dans le sens où elle va te dire qu'elle a passé les plus belles journées de sa vie,
dans les souterrains de Charn avec un fantôme. Je fais. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Écoute, garde ta concentration pour manger. Allez. Et je la coupe volontairement. Oui. Et du côté. Et je dis à Karcholan quand même de rester. Ouais, tu veux m'aider à la transporter table. Juste après. D'accord. Ouais, pour qu'il nous aide à transporter, je lui dis au don de m'excuser, mais vous voyez bien que son état n'est pas forcément des plus simples à gérer. Du côté de du lad, Bicéus te dit, nous devons nous diriger vers les plaines de Talente. Nous avons une petite course à faire là-bas. Et justement, comme nous ne sommes pas habitués à aller dans les terres pour aller chercher nos proies, nous recherchons éventuellement des terrestres pour nous accompagner et peut-être éventuellement nous aider à chasser, moyennant récompense. Tu vois que je savoure mon verre d'eau pendant qu'il me dit ça. Et je regarde dedans, je vois quel genre de récompense parlons-nous. Et en même temps, par télépathie, je transmets l'information à Charlie et à Thaïs. Ok. Et à Sazana, elle aussi. Je vais dire. Hein. En les sollicitant pour. En sollicitant Charlie. Si je les convie à un rendez-vous ultérieur avec des compagnons. Ouais, je vais faire ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, officiellement, on se connaît pas au sein de la taverne, donc du coup, je peux pas te dire de venir et que tu connais l'information, tu vois. Je vais dire que je suis dans le vomi pour le moment. Je vais regarder Karcholan et je vais dire à Karcholan, tu peux t'occuper un peu de madame le temps que je revienne. Enfin, le temps que je reviens. Ça sera pas écoute, long. Je vais chercher des serviettes et tout pour nettoyer. Du coup, je regarde. Pardon. Et je pense que je vais utiliser ça pour revenir vers toi. Je laisse faire les autres ce qu'ils veulent faire. Et au moment où tu arrives, tu m'entendras dire je peux en parler à mes compagnons de voyage et. Et on peut peut-être, je peux peut-être te donner une réponse demain. Où c'est que je peux vous retrouver? Allô? On est deux, je crois. Ah. Genre. Tu poses la question aux autres ou... Abysseus. Ah, pardon, j'ai pas compris, je croyais que c'était aux autres que tu posais. Repose la question. Non, en fait, il m'a donné ce qu'il cherchait. Ouais. Du coup, j'ai demandé quel genre de récompense c'est. Oui. Enfin, il a en tête. Ouais. Il te dira eh bien que il y a deux possibilités. D'une, on vous recrute sur notre bateau. Ce qui nous tenterait bien, vous avez l'air d'être une bonne équipe. Ou alors, des pièces d'or, ce que la plupart des gens souhaitent avoir avec eux.
Bah, laissez-moi en parler à mes compagnons de voyage et je reviens vers vous demain avec leur réponse. Où je puis-je vous retrouver pour vous donner la réponse? Demain matin? Bien sûr. Bah rejoignez-nous ici, on fera notre petit déjeuner ici. Très bien. Que là, la nuit commence à être bien bien passée avec le jeu, tout ça, je présume. Ouais. Tu auras Rodon. Alors, tu es toujours. Ah non, Satanel est parti avec. Est plutôt autour de la jeune fille, du coup. De la jeune fille qui est en train de la couvrir. Donc, Rodon arrivera derrière toi, Ulad, et te posera la main sur l'épaule. Tu sentiras ses naseaux se rapprocher de ton oreille. Je ferai des signes, j'essaierai de camoufler l'odeur qui, à mon avis, ne doit pas être très 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 bonne. Ah, Rodon, alors, vous avez pu conquérir la demoiselle? Écoute mon gars, la demoiselle, je m'en balance. Mais bon, je voulais te faire plaisir, je voulais essayer de m'en occuper. Mais bref, je crois comprendre aux yeux de Bicéus que vous avez parlé de notre projet. J'aimerais beaucoup que vous nous accompagniez. J'aimerais voir ce que Kerchelan est capable de faire. Et si vous me le permettez, particulièrement lui, j'aimerais bien le recruter à bord. Vous, je pense que vous ne souhaiteriez pas ce genre de vie. Mais lui me semble tout à fait adapté. Est-ce que je suis sur la table vu que je t'avais dit que on m'avait fait télépathie et j'avais eu l'excuse de demander des serviettes, etc. Ah bah au si t'as patron? télépathie oui, mais autrement non. Mais si t'as Bah, télépathie oui. je lui avais donné l'information Ouais. par télépathie à tous les PJ Ouais, donc et il en oui. a profité pour se rapprocher à ce moment-là. C'est ça. Qu'en fais-tu là? Du coup, quand il me dit ça, je me mets face à la salle pour voir Kerchelan. Et en tournant ma tête, en fait, j'envoie un message à Charlie en disant, qu'est-ce que je réponds? Je vais te dire, je suis à côté, je vais répondre je vais répondre. Mais regardez, c'est comme, bah, de manière, il me dit ça à côté, donc j'écoute quand même un peu. Faire. Pour ça, faudrait qu'on voit quand cela dure, combien de temps ça dure. Il a, comme moi, des affaires urgentes. Et qu'il faut pas forcément attendre. Après, pourquoi pas? Mais après pourquoi pas je lui après pourquoi pas il pourra y réfléchir de lui-même. Mais avant, je pense qu'il a autre chose en tête. J'ai quand même une expression de je sais ce que je dis. C'est quoi votre chasse? Bah du coup faut que tu transmettes par télépathie à Ulad du coup. Attends, je suis où dans l'espace? Je suis avec eux, je suis à côté. En fait, t'es à proximité de nous, en fait. Voilà. Mais t'es pas dans la conversation. Disons que Ouais. officiellement, on t'a jamais parlé de chasse. Ok. Donc dans ce cas, je vais me rapprocher. Demander au patron bah, les serviettes hein, en question. Et je vais te dire mentalement, c'est pas contre toi, lui, là. Hein.
Oui, je dis affaires urgentes. Et qui concerne, je ne vais pas te dire les tenants et aboutissants, mais c'est quelque chose de très important pour lui. On en parlera plus tard pour ce genre de choses, mais disons que il m'accompagne. Donc s'il doit venir avec eux, je dois venir avec eux. Tu penses qu'ils vont accepter? Tu vois que je vais cligner des yeux et baisser la tête en même temps en signe de oui, et puis je vais revoir Rodon et je fais, comme je l'ai indiqué à Bicéus, j'ai besoin d'en parler à mes compagnons au préalable. Et je me suis engagé à revenir demain matin pour vous apporter notre réponse. Mais ne vous inquiétez pas, je vais porter à l'attention de Garcholan. Et je montre de la tête, Cartolan, votre intérêt pour sa présence. Très bien, mon ami. Et tu vois que tout d'un coup, il se met face à la foule et qui se met à émettre un beuglement tonitruant, qui fait un regard vers Bicéus. Et tout d'un coup, tu entends une voix extrêmement mélodieuse qui sort de la bouche de Bicéus. Une mélodie qui vient de la mer, hein, on entend bien aux sonorités et à la façon de chanter, mais très très agréable. C'est un petit peu du Laurent Voulzy, mais en un petit peu plus nerveux quand même et agréable. Et tu verras que Rodon, qui jusque-là paraissait être un furieux. Énervé tout le temps, tu verras que lui, de son côté, il se met à danser en faisant des vagues avec ses bras, en dansant ensuite, en faisant des vagues avec ses bras, c'était un petit peu lourdeau, mais ensuite tu verras que finalement il se met à avoir un petit déhanché sympa pour ce qu'il est. Et J'ai envie de faire un truc, mais c'est là. du coup, je mets la main dans mon sac et je sors une flûte. Une flûte et je commence à suivre la musique. J'ai envie d'agir. Ça me donne envie. T'as envie Et de du faire coup, quoi? Tu peux pas savoir. et du coup, je suis comment ça je joue de la flûte en accompagnant Picéus et Rodon. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut se mélanger à cette création artistique collective. On est d'accord que ça la fout très mal que j'y aille alors qu'il m'aime pas. Là, pour l'instant, tu vois un Redon métamorphosé qui est vénère envers rien du tout parce qu'il est en train de profiter de la musique. Tu sais quoi? J'ai envie de le rejoindre dans sa danse. Mais j'essaye de. Avec ce que j'ai appris de mon côté, vraiment y aller de manière artistique. C'est-à-dire. C'est-à-dire que je suis pas forcément un bon danseur, mais j'ai un petit peu appris de mon côté. Tout d'un Et je vais coup, essayer de. tu vas essayer de faire ça. Et tu vas avoir une sorte de petit nerveux arriver vers toi avec des oreilles de chauve-souris. Le genre de. Alors là, pour le coup, de gros lourdeau qui sait pas danser absolument pas. Et qui essaye de te casser ton truc. Tu sais ce que je vais faire? Dis-moi. C'est un peu comme un tango, le prendre et danser en duo, mais pour qu'il fasse en sorte qu'il danse bien. Je peux faire un jet de représentation? Ouais. Putain! Et
Bah, il me casse les couilles. Et il te casse les couilles et en plus, il, non seulement il danse très mal, mais en plus, il, ça influence ta danse. Et tu remarques que tu finis par danser autant par un, comme un pingouin couillé, en fait, au final. Ouais, c'est pour ça que je pense que je vais le jarter. Tu sais, en mode hop là. Et je vais essayer de reprendre, me reprendre seul, en mode voilà. Quand quelqu'un te casse beaucoup. Je l'imagine tellement avec un tango, tu sais, en train de tourner d'un côté et puis lâcher son partenaire. Voilà. Pour changer de partenaire en mode. Allez hop. Exactement. La question, c'est est-ce que tu prends comme partenaire Rodon ou pas? Ah oui, c'est le but. Oh oui, Rodon. C'est Rodon. C'était Rodon mon objectif. C'était pas lui. Bon, pas les couilles. Ah oui. Et Thaïs qui est en train de nous voir nous ridiculiser la peau. Non mais moi je m'amuse vraiment. On Rodon, casse les coups pour le groupe. Rodon de son côté au début, tu t'approcheras vers lui, il te prendra par. Alors est-ce que t'as un callback? Est-ce que t'as des genres des vêtements pour qu'on puisse te prendre par le callback? J'ai mon armure. Ouais, donc ça va être compliqué. Il te prend par ce qu'il peut de ton armure, sans doute ton épaule, essayant de te maintenir pour que tu ne puisses que difficilement danser. Ok. Je refais un jet de représentation, j'imagine. Ouais, vas-y. Allez. Allez, allez, allez. Voilà. Et tu sais, c'est ce moment où je vois ce qu'il essaie de faire. Oh, clairement. Tu sais, je vais l'entraîner pour qu'il croit qu'il va chuter. Le retenir, même s'il est putain de lourd. Tu sais, le faire. Tu sais, faire des vagues en fait avec lui. Tu sais, avec son corps en mode. Hop. Essayer de le relever, même si je vais en suer un peu à la fin. Et faire ce genre de danse. Et tu vois que lui au début il t'appuie sur l'épaule et il s'en sert en fait pour faire une danse un petit peu plus virile entre guillemets. Et ah ouais. Tu remarques qu'au finalement il voit que tu ne craques pas, du coup il va relâcher la pression et là il va se lâcher à danser autour de toi et danser avec toi et finalement ça va être une. Danser avec les stars, je pense que vous seriez premier. Wow. Alors qu'il m'aimait pas. Ça, après, ça dépend. C'est beau. Ça dépend si Satana elle veut danser avec Thaïs, mais peut-être moyen de faire mieux. Mais... Moi, j'ai envie de dire là, ce stade-là. C'est beau. Qu'est-ce que font Satana et Thaïs quand vous voyez que finalement il y a une certaine danse entre votre groupe et le leur? Bon, moi, je continue à chaperonner la gamine, hein, si j'ai bien compris. La méduse a été évacuée, c'est ça, je crois? La méduse vomit et est en train de décuver. En train de manger son lard. De ce que je comprends. Je l'aide autant que possible à passer ce cap. Hein. Donc là, tu vois, t'es allé trop loin. Donc ça aurait été juste avant. On arrive là à un stade où en fait on ne profite plus de rien. Personnellement, en fait, limite, je pense que si Thaïs était resté auprès de la gamine pour la chaperonner, il restera même pas à côté d'elle, il va juste s'éloigner et non, il ne pense pas. D'accord. Ok. Est-ce que j'ai demandé à tout le monde toi, Ulad, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu joues de la flûte. Bah, je joue de la flûte. Du coup, ambiance générale, effectivement, ça va être parti pour soirée étudiante classique, qui se passe bien, entre guillemets. En sachant qu'en plus, il y a la tournée que j'ai payée d'avance, du coup, ouais, avec les gains, avec une partie des gains des paris.
Il y a des gens qui vont pas profiter du mouvement comme le nain qui lui va continuer à éplucher, cuisiner tout ce qu'il trouve sous la main. Il s'arrête jamais. Un autre qui va profiter de la fête parce qu'il vient de se faire balancer et que personne ne veut de lui ce soir, Vanuatu, qui va être dans son coin à bougonner. À un moment donné, il va partir dehors. Si Satanaël est pas loin, tu verras un Vanuatu qui va parler avec les chevaux. Sont dehors. Il parle avec les chevaux. Oh ouais, il va partir avec parler avec les chevaux. Mais qui? Vanuatu. Le Firbolg. Est-ce qu'il m'a vu? Non, il t'a pas vu. Il est tellement saoulé par la soirée qu'il est parti directement voir les animaux, quoi. Je veux m'approcher de lui dans un premier temps discrètement, selon ce qu'il fait. Bah, ni plus ni moins, Enfin, pour voir ce qu'il fait en fait. tu vois qu'il s'est mis maximum face à eux. Il essaye même d'essayer d'attirer un chien histoire de se faire un petit panel de personnes qui l'écoutent. Et il est en train de leur dire vous viendriez bien avec moi, vous, hein, dans notre mission pour aller chercher ces dinosaures. Tu fais quelque chose. Il dit ça aux chevaux. Ouais. Je continue d'écouter s'il m'entend pas. Alors, il continue, il dit, voyez-vous, vous traverserez les plaines de Talente et puis vous arriverez au niveau du désert. Vous croiserez ces nombreuses tribus alphelines qui chevauchent les dinosaures. De type bovin, voyez-vous. Je vais faire quand même un petit jet de perception pour voir s'il te voit. Un moment. Tu fais des, tu es discret, toi. Oui. Vas-y, fais un jet de discrétion si tu veux, mais à mon avis, tu vas le réussir. Ouais, facile. Et vous voyez, vous traverserez le dé désert jusqu'à Bonnyard, proche des montagnes, et vous irez avec nous capturer. Ah, bah non, bah non, bah non. Vous pouvez pas, vous êtes à quatre pattes, vous pourrez pas, vous n'êtes pas assez agile. Ah, comment on peut faire? Comment on peut faire? Vous êtes à quatre pattes, les amis. Ah, mais au moins vous irez jusqu'à avec nous à Bonnyard, et puis peut-être que les tribus alphelines nous prendront soin de vous. Tu le vois en train de regarder les animaux, poser des questions. Ah, ça m'embête, si seulement j'avais des amis à deux pattes. Et puis il soupire, il réfléchit, il se gratte la tête. Il les regarde. À moins que, si on prenait. Et puis, oh. Tu vois qu'il réfléchit comme ça, à se trouver des petits trucs. Devant les chevaux et les chiens, tout ce qu'il trouve. Des fois, le chien va être parti, il va continuer à parler devant les chevaux, comme si de rien n'était. Et puis, c'est tout ce qui va se passer, le concernant. Est-ce que tu feras quelque chose ou pas? Ah, si, peut-être à un moment donné, il dira. Ah, le problème, c'est que les créatures que l'on va chasser, comme elles volent, elles pourraient très bien vous choper par la peau du dos et dans ce cas-là, ça ferait un carnage. Ah, oh, j'ai pas envie de vous infliger ça, c'est trop dangereux pour vous. Il a parlé de carnage. Excuse-moi, j'ai un peu du mal à imprimer l'heure. Mais il a parlé d'un carnage.
Il a parlé d'un carnage venant de créatures volantes qui auraient bouffé les chevaux, quoi, ni plus ni moins. Bon, tant qu'il raconte des trucs, j'écoute. Hein. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre devant les chevaux? C'est bien avec vous. On pourra garder tout l'argent que l'on gagnera, parce que vous en garderez pas pour vous, hein, n'est-ce pas, les amis? Mais si on savait. Il y en a au moins pour 100 pièces de platine pour aller en chercher une petite vingtaine. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Vous venez avec moi? Bien sûr, les chevaux lui répondent pas. Hein. Mmh. Ah si! Ils font... Bah, pour certains, ouais, mais... Il y a peut-être des gens qui passent par là et qui le regardent de façon un petit peu désespérée pour lui, mais avec beaucoup de compassion. Il y en a peut-être un qui va passer qui lui dit « C'est bien de croire que qu'ils vous comprennent. C'est bien. Vous faites avancer la cause. Courage !» Et qui rentre dans la taverne. Et tout ce qu'il y a d'intéressant qui va le dire, qui va dire. Que fais-tu, Satanaël? Bah, s'il dit plus rien, ouais, je vais rentrer à l'intérieur. Intérieur, du coup, au niveau de la tablée, Insigne va manger avec un moment Kercholan qui va avoir faim, à force de revoir Insigne manger. Elle va progressivement dessouler. Regarder Thaïs et te dire, tu sais, toi, tu me plais bien. On devrait passer beaucoup de temps ensemble. Je crois que tu pourrais régler beaucoup de problèmes. Pas de problème. Ah bon? Oui. Ah, écoute, si on peut s'aider, tant mieux. En vérité... Je me dis que je pourrais peut-être changer d'employeur et vous accepter comme employeur. Ah bon? Mais c'est qui votre employeur? Je ne peux pas le dire. Et c'est ça le problème. Ok. Vous, je vois que vous êtes fier de qui vous êtes. Et j'aimerais être aussi fier de vous que je le serai de moi-même et de mon employeur. Ouais, ça passe par une liberté de soi, tout ça. Tu, Charlie, t'es à côté, on est bien d'accord. Hein. Bah non, toi, t'es en train de danser avec Rodon. Bah ça tombe bien que tu sois en train de danser avec Rodon, mon cher Charlie. Ouais, mais à un moment donné, je fatigue. À un moment donné, je fatigue. Ça reste. Mais oui, je danse en ce moment. Parce que vous voyez, avec Charlie, on n'est pas libre. On peut pas parler de notre employeur. On peut pas parler de notre vie. On peut même pas se bourrer la gueule tranquillement. Non, sincèrement, j'en veux plus de cette vie cachée. Est-ce que vous seriez prêt chez les Horiens à engager une méduse?
Dans l'absolu, il n'y a aucun problème pour ça. Après, la question est de savoir si on peut le financer, ça c'est autre chose. Mais oui, vous savez, on n'a pas de, comment dire, d'a priori racial ou autre. Hein. Enfin, après, dans l'ensemble, hein, la famille est grande, il y a tout. Hein, comme vous avez pu remarquer avec le cousin. Mais en général, vous savez, la famille du passage, la famille à Dracogramme du passage voyage beaucoup. Nous avons l'habitude de voir la différence des gens et des cultures. Et en fait, souvent, quand on arrive quelque part à l'étranger, en fait, c'est nous. Mais Donc, tu sais quoi? Je me dis que c'est de ça, j'entends. on a plus on voyage et plus on a tendance à accepter la différence en général, quoi. Exactement. Eh ben, je crois que tu vois, puis on a rencontré quelqu'un d'autre dans notre groupe qui est bien aussi. Ulad, il a l'air d'être très généreux aussi. Et je pense que si je lui demande un petit coup de main, il pourrait peut-être m'aider à financer ma nouvelle carrière. Mais je sais pas, votre quête, elle passe par un financement? Oh, on peut dire un certain financement, oui. On a toujours besoin d'argent, on s'en est d'accord, mais je dirais, il n'y a pas de. En dehors de ça, il n'y a pas rien de spécial, quoi. Non, 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 je crois que non. Tu as le droit d'avoir un jet de perspicacité si tu veux. Moi, j'ai le droit d'un jet de perspicacité. Alors, perspicacité. Oui, cette compétence-là. Ça va, hein? Alors, Tu te ah ben ça débrouilles va bien. encore. Bah ouais. Pour Et quelqu'un qui puis, a un dans la compétence, ça va. tu t'en vois pas tellement plus, mais tu sens qu'elle ironise beaucoup quand elle te dit c'est une sorte de financement. Tu vois dans sa façon d'exprimer. Et rajoutera. Bon, ceci dit. Ceci dit, là, je suis en pleine période, on va dire, je suis relativement libre de mes actes. Je suis dans une période où je peux, comment dire, voyager et me recentrer sur moi-même, on va dire, une sorte de, oh putain, comment on appelle ça, quand les croyants vont faire un voyage. Un pèlerinage. Une sorte de pèlerinage, mais pas vraiment religieux, hein, une sorte de pèlerinage à la méthode aurienne, on va dire. Hein, donc, bah oui, bah, je suis disponible. Hein, si vous avez, comment dire, des voyages à me proposer, aller dans des coins que je connais pas et autres, bah, je suis partante. Hein. Vous savez, j'ai une chance incroyable, c'est que moi je peux aller partout. Alors que j'ai une copine. Il ne peut pas bouger de là où elle est. Enfin, du moins, sa surface de voyage est très limitée. Et moi, j'ai envie de dire, Ah bon? ouais, j'ai envie pour elle de profiter et peut-être de faire en sorte de voir des paysages, de lui envoyer des témoignages de ce que je vois pour qu'elle puisse profiter de ce que je vois. Tout ça, quoi. Vous êtes en train de parler, comme vous vous doutez, je porte le dracogramme du passage. Entendre parler de quelqu'un qui est, entre guillemets, enfermé, bloqué à un endroit, c'est la pire des choses qui puissent arriver à une personne pour ma part. C'est la pire des choses qui lui est arrivée. Elle ressasse sans arrêt son amour perdu depuis des siècles et des siècles, et elle est toujours là. Mais elle peut pas bouger. Pourquoi elle peut pas bouger?
Parce que déjà d'une, elle craint la lumière du soleil et qu'elle n'a pas envie de s'y confronter. Ensuite, elle a envie de rester proche de son amour de jeunesse, parce que son corps aussi se trouve pas loin de cet amour. Et que ça soit. Pourtant, elle a envie de Ah, voyager, elle veut partir. c'est votre ami spectral, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je peux pas dire parce que. Oui, donc, oui, mais là ça devient compliqué. Effectivement, je suis pas une spécialiste, comment dire, des morts-vivants et encore moins des morts-vivants qui ont des, comment dire, des blocages mentaux, des espèces de. Faut débloquer sa, comment dire, sa, son obsession en fait. Hein. Ben, c'est ça le truc, c'est que Faut qu'elle c'est trouve une le repos. obsession. C'est ça. Et ben, malheureusement, elle retrouvera, elle trouvera le repos quand elle retrouvera son amour. Mais son amour est déjà parti depuis longtemps, c'est ça le problème. Ben, faut qu'elle le rejoigne alors. Ben, oui, mais du coup, j'aurai plus de copine. Enfin bon, faut accepter la Maintenant, il faut perte à un moment savoir ce donné. qui est. Enfin bon. Ouais. Mais vous avez Vous de raison. voir ce que vous. Je lui enverrai un message pour lui dire. Peut-être pas on est en mesure d'entendre ce que vous avez à lui dire, hein, parce que. En vrai, vu le nombre de fois où je l'ai C'est comment vu, dire les pensées, les obnubilismes, ce ne sont pas toujours évidents à modifier, quoi. Tenez, vous voyez Charlie obnubilé par le fait de rester discrète surtout discret surtout qu'est-ce qui devrait se décoincer, franchement. Vous savez, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire non plus. Oh, bah ça c'est sûr. Hein. Si vous saviez. Enfin, bref. Bon, en même temps je dis qu'il est coincé, il danse avec Minotaure. Ouais, c'est bien son style, tiens. Il y a quelques semaines, il était en train de se prendre la tête avec des Minotaures, et là, 3 semaines après, en train d'essayer de danser avec. Bah écoutez, il s'adapte, on va dire. Ouais, c'est bien. Pour l'instant, j'ai toujours pas compris ce qu'il faisait avec sa tête de bœuf, le Minotaure à côté, mais Je crois qu'il est en train de danser aussi. Même si un bœuf, c'est. on est d'accord, c'est un taureau à qui on a coupé sa masculinité, il me semble, hein. On est d'accord. Je sais pas, je vais pouvoir regarder s'il avait encore. Un bœuf, c'est un bœuf, hein. C'est un taureau qui est plus vraiment en mesure de se reproduire, pour autant que je sache. Vous voulez que j'aille Donc je voir comprends pas très si. bien ce qu'un minotaure mâle fait avec un bœuf sur l'épaule. Enfin voilà. Ah, ça. À mon avis, ça doit être quelque chose C'est un bœuf quoi, un bœuf empaillé, j'ai pas bien compris. de. Ça a Une l'air tête. d'être. Ah non, je crois que. Attends. Tu vois qu'elle essaie de regarder. Ouais, je crois que ça a l'air d'être une espèce de faux, enfin de cadavre de bœuf empaillé. Ouais, ça doit être un truc comme ça, ouais. Mais assez petit, hein, il devait pas être très très grand, hein, quand il est mort. Hein. Ouais, Ne c'est dis vrai pas que c'est que. son petit frère, hein, qui trimballe à son petit frère pour le venger ou un truc comme ça. Ah, qu'est-ce que t'es Parce que là, drôle. ça deviendrait macabre. Ah, D'où bah. les histoires de vengeance et tout ça. Tu trouves que c'est macabre? Ah ouais, c'est peut-être. Oh! Balader avec le cadavre de son frangin. Ouais. Frangin qui est mort quand il était gamin, donc ça fait des années que. Il se balade avec ça. Ouais, tu trouves ça bizarre, toi?
on va faire de magie. Je sais pas. Il y a des questions qui se posent en tout cas. Est-ce que à un moment donné, j'imagine qu'on danse pendant plusieurs bonnes minutes avec le Minotaur? Oui. Je pense qu'à un moment donné, je vois l'heure. Le calmer en disant. Je vois l'heure aussi, il est 1h du matin, il va falloir que vous débriefiez le matin. Comme ça on va arrêter la partie. Oui, c'est ça, mais je pense que je vais m'arrêter en mode. Un plaisir. Tu verras qui te t'enlacera tendrement pour te faire un bisou sur la joue. Avec sa langue. On peut... Oh bon, je lui fais pareil. Hein. C'est pas le truc le plus pire que j'ai fait. Encore merci hein, de la balade. Oui. Et au bout d'un moment, effectivement, Ulad va aussi arrêter de jouer et murmurera à l'oreille de Bicenus, il commence à se faire tard, il est temps que j'aille me reposer à demain matin. Oui, il faut que l'eau se mette à dormir. Effectivement, allons-y. Et du coup, je commence à sortir de la taverne pour retourner vers le lieu où on dort. Moi, j'attends un signe quand même, Eckhart Schoenen, pour voir s'il vaut bien. Surtout un signe, en fait. Ça va, ma belle? T'as repris un peu de couleur à ce que je vois. Oui. Tu peux tenir debout ou... Oui, et grâce à Thaïs. Ah, merci, madame. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mademoiselle. Ah, pardon. Déjà rigolant un peu. J'ai... Un peu d'émotion quand même, hein, cette soirée. Je regarde la jeune fille. Elle va bien, notre jeune fille Oui, la jeune fille elle va bien. Je la regarde dans les yeux. Oui, ça a l'air. Oh, oui, toute sage. Enfin... Ah. Bah écoutez, on peut parler un petit peu en rentrant. Mais. Allons-y tout de suite, hein, avant que. Avant qu'il y ait soyons de baston, soit autre chose. Hein. Hein. Avant que les quatre joueurs. Ou c'est qu'on s'endorme. Avant que les quatre joueurs ne s'endorment devant leurs ordi. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça va, je suis encore à peu près en forme. Je peux discuter un petit peu entre PJ s'il faut. Oui, allez-y. Mais je pense pas que vous le soyez, vous. Non, bon, ça va. Oh, bon, on va pouvoir discuter un peu tous les deux. 3, 4, ouais, j'avoue que ouais, Ulad, non, il commence à être dur. Ulad, il commence à être dur, ouais. Cette année, je crois. C'est pour ça qu'il est parti tout seul se coucher, d'ailleurs. D'accord. Du côté de toute manière, on dort, je crois, dans le. Je connais Sanrio, je pense que ça va pas tarder non plus. J'ai... De toute façon, il a fait croire qu'il vous connaissait pas, donc du coup, c'était obligé qu'il parte seul. Oui, mais on se réunit plus ou moins au même endroit. De toute manière, mis à part une personne, mis à part, quoique on pourrait inviter même Thaïs à venir dormir avec nous dans le Montgonfière. Hein. Bah en fait, il me semblait que j'avais mis une tour. Une chambre. Je crois qu'il y a une chambre dans la Montgolfière. Ouais. Parce que au moment où vous m'avez dit qu'il y avait mis, vous aviez même de la viande de dragon. Dans la Montgolfière. Oui. Ouais. Mais il y avait quelque chose avec la Montgolfière. Je crois que de mémoire, j'avais fait apparaître une tour sur le quai pour stocker nos affaires temporairement. Oui. Ah oui, une forteresse de Daen. C'est ça. Exact. Exact, exact. Parce que moi, du coup, je rentre dans ma forteresse. Hein. Non, pire. Oui, je te comprends 100%. Après, bon, faut pas que tu fasses pas plus de forteresse pour que tu... Comme ça, mais bon. Parce que je crois qu'il faut que tu la fasses pop pour rentrer dedans, non? Bah, elle est pop. Ah! Elle se voit? Oui. Bah, elle est sur le quai, donc à côté du Zeppelin, donc oui. Et à côté du petit centre d'exploit de nains. C'est une tour de fortification à deux étages en adamantium.
Donc ça se voit. Ouais, là on se regarde, on fait. Ouais. Ouais, bah écoute. Faut regarder, hein. Non. Allez, vas-y, débrief. Si tu veux parler. Vas-y. Oui, on peut débriefer et ensuite on peut continuer juste un petit peu après avec Steve. Enfin, Tev. Oui. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit du coup. Ah, ouais, bonne nuit. Bonne nuit. Oui, si. Bah vas-y, Ryu. Ouais, je pense que... On a entendu, attends. Je vais y aller aussi et je vous souhaite une bonne nuit et puis bah, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Pas pour Claude à ce soir. Hein. Ah oui, d'accord. Là où j'ai très peur, mais bon. Ouais. Ah, oui, pour la compagnie d'abattoir. Oh, bah écoute. Ouais, vous pouvez avoir peur. Enfin, j'ai peur. Eux, c'est eux qui me font peur. Dans le bon sens, mais quand même. Vous avez presque fini le donjon. Ça va aller. Ouais, bah, ils sont juste en alerte. Ouais, en alerte. Et, au niveau des PV, vous êtes encore bien. Bah, on est full maintenant. On est full PV avec tous les sorts. Et je vais même utiliser aide, Claude. Prends compte. Ouais. Ok. Depuis que j'ai découvert ça sur Baldur's Gate, je le sors aide. Oh, je le spam. Hein. D'accord. Ok. Ok. Ah bah, 10 PV supplémentaires juste au level 3. Oh, ça fait du bien. En gros, aide Claude pendant 8 heures. Mais tu sais, dans Baldur's Gate, c'est quitte la journée. On peut même résumer avec ça. En général, ça augmente définitivement, ça te soigne et augmente tes PV max. C'est pas un bouclier, c'est vraiment tu as 10 PV max supplémentaires. Jusqu'à 3 personnes. Donc t'imagines bien que si je mets ça sur 3 personnes, c'est incroyable. Et quand tu prends des dégâts, tu commences par enlever ces dégâts-là en fait, ces points de vie supplémentaires en premier. Ah oui. Qui fait qu'après tu peux toujours relancer le sort pour redonner 10 PM, PV, et ainsi de suite. En fait, c'est du soin préventif, en fait. C'est du soin préventif, et surtout qui peut se soigner. C'est-à-dire que, à la différence, c'est que je peux utiliser, genre, il a perdu 10 HP, je peux faire un mot de guérison sur un type qui a juste perdu ses 10 HP, et il récupère ses 10 HP. Parce que c'est considéré comme des PV max, pas comme des... pas comme un bouclier. C'est ce qui est fort avec ce sort. Oui. Mais ça augmente que de 5. Hein. Ça dépend. Quand tu le up, ça augmente de 10. Genre, quand tu le sors au niveau 3. Ah oui, ça augmente de 5 pour chaque niveau d'emplacement au-delà du niveau 2. Effectivement. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant. Ouais, non, mais c'est bien. Claude, tu peux y aller, hein, Claude, ainsi. Oui, bah je... Non, moi, j'ai juste une question à te poser, oui. Claude, avant que tu partes. Pour les prochaines parties de Eberron, je crois qu'il y en a une de prévue la semaine prochaine. Ouais. Tu passes sur d'autres versions de Eberron que tu as faites ou pas? Ça veut dire qu'il faut que... D'ici là, il faut que je passe... Non. Tu as créé les persos dans le Eberron quoi. Oui. Et après il suffit de que nous on les recopie de notre côté quoi. C'est ça, et normalement parce qu'il y a Vogue, Zenconi, Ghosty, Spark et Rosso Moterus encore. Ouais, c'est ça. Et normalement si vos feuilles sont sur mode PNJ, vous avez en bas à droite un onglet qui vous permet de passer de PNJ en PJ. Si jamais... Alors, je vais voir, attends, les Bérons... Ah c'est la partie...
Harpe, follet, tout ça. Ah, donc c'est la dernière fois qu'on fait du majestueux visiteur. Hein. Hein? Ah bah c'est la dernière qu'on fait de majestueux visiteur jusqu'à bah, l'année prochaine. Oh, bah attends. Bah quoi que oui, jusqu'à là. Attends, courage classe. J'arrive à caser un bon là-dedans. Ça serait bien que j'en passe un en décembre. Je vais essayer de m'arranger. Peut-être le 29. Je sais pas si vous avez des disponibles le 29. Ouais, c'est vrai, il y a 2 mètres sucrés et un courage de place encore d'ici fin de l'année, quoi. Ouais. Le 29. Ouais. Ouais. Et après, c'est le 1 et le 3, je crois, décembre, qui est encore une séance de Déburon, quoi. Donc d'ici là, il faut que je transfère tous les persos de Héberon obsolète à Héberon normal, quoi. Ça roule. Ouais, mais je sais pas comment faire, donc il faudra qu'on le... Bah, si t'as créé... Non, mais si t'as créé les persos de chaque joueur, hein, après, chaque joueur fait son copier-coller, quoi. En fait, il vous prend avez pas... l'ancienne feuille de perso et puis transhume lui-même, quoi. C'est ça. Mais normalement, c'est automatique parce que comme j'ai dupliqué le premier Non, niveau. c'est pas automatique parce que quand je les compare les deux, il y a Oui. des trucs qui ont pas été transférés. Non, parce qu'en fait, Va falloir faire les. des va, va, fa va falloir faire des copier-coller de spells, de machins, de bidules, de pouvoirs, et ainsi de Non, suite, quoi. pas forcément les spells. Les spells normalement vont se transférer. Mais en fait, pour être simple, les auteurs de la fiche que vous avez sur le normal n'ont pas eu les droits pour transférer les noms de classe et les aptitudes qui vont avec. Par Ouais, c'est contre. pour ça que quand je veux. Ouais, parce que j'ai une feuille de perso, en fait, quand je regarde la classe, elle n'a pas la même classe de lanceur de sort, en fait. Et du coup, quand vous voulez mettre la fiche correctement, en fait, il suffit juste de mettre le nom de la classe. Normalement, vous avez quasiment tout qui revient, à part les aptitudes. Ceci Verra étant, bien. les fiches sont faites pour que les aptitudes soient automatisées. Donc, ça veut dire qu'une grande partie d'entre eux vont revenir. Juste les redéfinir et par contre les archétypes faudra les copier-coller ainsi que l'équipement. Parce que moi, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 5 feuilles de perso à transférer, en fait. Et ça va être assez, si tu en as là-dedans qui sont pas lanceurs de sorts. Ça va être plus simple puisque du coup tu auras juste les petits archétypes. Bon, en fait, les trois persos que je joue, c'est des lanceurs de sorts. Il y a juste Thaïs qui se promène avec ses deux pets là qui sont pas des lanceurs de sorts, hein. Mais bon, c'est quand même des feuilles de perso qu'il faut que je fasse, quoi. Et normalement Ouais, c'est pas grave, hein. quand tu regarderas, quand tu vas mettre ta. Bah, quand tu vas mettre en PJ, normalement tu verras déjà les sorts. Mais Verra bon, déjà. c'est comme ça, c'est déjà fait. Mais je vois qu'effectivement, j'ai le serviteur homoncule, j'ai le défenseur d'acier, il y a Euryclée, c'est bon, elles sont disponibles. Skrull est bon aussi, et Atanol aussi est bon aussi. Ils sont présents, donc en fait, je peux. Il faut que je vous garde pour être sûr que je puisse les ouvrir. A priori, je peux les ouvrir. Est-ce que je peux les modifier? Ou attends. A priori, je peux pas les modifier. Ah oui, pardon, détail important. Tu fais bien de me le dire, c'est bien. J'ai pas la main pour moi le modifier. Si, Oui. faut que tu appuies sur le petit crayon. Sur le petit crayon. Se Ouais, trouve ok. en haut de ta feuille à gauche. Et donc après on peut modifier. Alors Atanol, c'est bon. Skrull. Ah,
Moi, j'ai pas de petit crayon. C'est en haut à gauche, sous le nom du personnage, en fait. T'as le nom du personnage, et en dessous, t'as un crayon jaune. J'ai pas de crayon jaune. Le crayon gris. J'ai mon nom de personnage, Shai Jin. Après, en dessous, t'as une ligne avec personnage, sort et paramètres. Et à droite de paramètres, normalement, t'as un crayon, en fait. Sur la feuille de Charlie. C'est ça, Death. Ouais, sur la feuille de Charlie, c'est pour ça que je vois pas trop où c'est, parce que j'ai les noms de personnages. Ah, dans le journal ou dans mon dans ma fiche directement? Sur ta fiche directement. Attends, je suis en train d'ouvrir. Hein. Le temps que ça ouvre.